Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames. Merci, merci, vous êtes gentil, merci, vous êtes gentil. Voilà. Vas-y, fais rire maintenant. Non, je dis pas ça pour vous, hein, je dis ça pour moi. Je dis, ben, vas-y, fais rire. Ben oui, parce que je suppose que vous, vous êtes dit, mon vieux, le bigard, il va débouler sur le plateau. Hein, il va nous sortir une grosse connerie d'entrée. Et puis nous, on va tous se marrer comme des baleines. Et oui, seulement, il y a un problème. C'est que la grosse connerie, je ne l'ai pas. Alors, je ne vais pas vous bourrer le mou, vous dire que j'en ai une ou quoi que ce soit. Ah, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Alors, rassurez-vous, après, il y a plein de trucs drôles, hein, c'est pas ça la question. Si, notamment, il y a un ours qui encule un lapin, à un moment donné. Si, c'est sympa parce qu'il reste coincé. Alors, il y a un castor qui arrive après. Enfin, il y a plein de trucs drôles après. Seulement, la grosse connerie du départ, je veux dire, celle normalement qui dépouille tout le monde, celle-là, je l'ai pas. Je l'ai pas, puis je vous garantis que je vais pas la trouver ce soir. Ça fait 8 mois que je la cherche jour et nuit. Je l'ai pas, je l'ai pas. Ce que je vous dise. Vous voulez que je vous la fasse quand même, c'est ça? Oui, oui. Oh, putain, il y a une ambiance ce soir. Vous voulez que je vous la fasse quand même? Oui! Mais je vous dis que je ne l'ai pas! Démerde-toi. Démerde-toi, dit l'autre. Cherche. Non, attendez, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas bien compte d'un truc. Vous savez que rentrer tout seul comme ça sur scène, hein, j'aime autant vous dire que... Tu vois, si on devait faire la comparaison, c'est un peu comme de rentrer dans une arène. Pas comme toréador, hein, comme taureau, hein. Oui, c'est différent, c'est l'abattoir. Alors, je sais, on va me dire, le taureau, justement, lui, il est courageux, il fonce, il a pas peur. Il a pas peur, il a pas peur. Pas tous les taureaux, hein. Moi, je le connais, le taureau qui fonce, qui est courageux, qui a pas peur, hein. Je peux même vous le faire. Et voilà, taureau qui a pas peur, lui, il rentre comme ça, lui, il fait... Où c'est qu'il est, ce con, là? Mais tu vas avoir ta gueule, toi! Facile, tu comprends? Eh oui, seulement, maintenant, imaginez le taureau qui est un peu plus timide. Le taureau qui est timide, lui, il rentre comme ça, lui, il fait... Y a quelqu'un, là-dedans? Le gars avec le chiffon rouge, là? Oh non, pas de trop, non. Aïe, putain, il m'a piqué le cul, l'autre. Voilà, vous avez le taureau qui est carrément inquiet, tu sais. Il chie dans son froc à mort, hein. Ah, le taureau inquiet, il fait ça, lui, il fait... On n'a pas du tout revu Raymond et Bernard, hein. Bah oui, ben, moi, je suis très inquiet, hein. C'est sûr que c'est mon tour. Ah, vous avez le taureau collabo. Ah oui, le collabo, il fait... Il y a Roger et Lucien, ils sont cachés dans le fond. Ah, vous avez l'homosexuel. Alors, l'homosexuel, il fait... Eh bien, ma petite plume derrière. Roger. Roger. Ça se voit pas trop les traces de sabots dans le dos. Bon, j'y vais, alors, j'y vais. Petit bonheur, petit bonheur. Sûr ? Merci. Ah, sinon, vous avez le faux cul. Le faux cul, alors lui, il arrive avec un petit paquet, comme ça, il dit, je vous ai mis mes deux oreilles et ma queue. Si on pouvait des fois éviter le bain de sang. Et puis, il y a le bigard, il dit, bah, moi, je suis drôlement emmerdé, parce que j'ai toujours pas ma grosse connerie du départ. Et puis, d'un autre côté, ça va, parce que vous avez vu, mine de rien, ça y est, il est parti le spectacle, hein. Si, ça y est, c'est parti, ça y est. D'ailleurs, voilà les retardataires qui arrivent. Rallume, Charles, rallume, qu'on les voit, rallume, rallume. Voilà. Hein? Hein?
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tu me réponds quand je te cause, s'il te plaît? Faut chier tout le monde, en plus. Il vous est arrivé quoi? Embouteillage, oui, on n'y croit pas trop. Et je vais les faire chier toute la soirée, ces deux-là, hein? Alors, les autres, ça va? Hein? Il vous est arrivé quoi, à vous? Hein? Oui, ne fais pas trop de gestes comme ça, parce qu'on ne sait pas ce que tu veux dire, hein, de loin, ça. On était en retard, parce que t'es obligé de... Je ne sais pas s'il a... Je sais pas s'il a trait des vaches ou si c'était la bagnole. Alors, bah, je vais les faire chier les ensemble parce qu'ils sont là. Alors, vous voyez, j'aurais pas été à la place de celui-là qui va arriver là. Des amis à vous, non? Vous? Non, 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 moi je les connais pas, non. Là, il va arriver, il va dire, bah, Josiane, tu dis pas bonjour, ta gueule, toi, tu vas aller faire. Alors, c'est con, vous avez loupé un truc sympa sur les taureaux. Je vais vous le refaire, vite fait, parce que... Non, je disais, mine de rien, avant que vous arriviez, je disais, bah, c'est vrai que le spectacle est commencé. Et d'ailleurs, je vois pas pourquoi on n'attaquerait pas tout de suite dans le gras, hein. Avec un sujet un peu douloureux. Et je dis un sujet douloureux parce que c'est un truc un peu intime. Alors c'est vrai que les gens osent pas trop en parler. Et il y en a qui souffrent à cause de ça. C'est ce que j'appelle globalement les grands moments de solitude. Alors je vous en donne un. Par exemple, on s'est tous retrouvés un jour ou l'autre dans des toilettes de camping. Bon, déjà tu rentres, le verrou il ferme pas. T'es obligé de tenir la porte comme ça, toi. Bon, tu te retournes. Manifestement, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant toi. Hein? Même ils se sont mis à plusieurs pour faire ça, parce que... Si, parce qu'il y a deux couleurs différentes, et puis... Bon. Alors, tu tires la chasse d'eau, il n'y a pas d'eau qui coule. Tu tires le papier, il ne reste plus qu'une feuille. À ce moment-là, tu te dis, je vais ressortir, et puis là, il y a un gars qui tape à la porte pour rentrer. Alors tu te dis, si je sors, il va croire que c'est à moi le gros truc qui est là. Si je sors pas, moi je vais chier dans mon froc à force. Et puis là, le gars, il retape à la porte. Et bien là, vous voyez, mesdames et messieurs, là, on est en plein dedans. Ça, c'est un grand moment de solitude. Voilà. Et bien, vous voyez, moi, je dis qu'il faut en parler. Même si c'est pas drôle. Alors, je sais. On va me dire, il est vulgaire. Et moi, je vais vous répondre. Oui. Mais en attendant, combien de gens on va rassurer comme ça en parlant? Hein? L'éjaculateur précoce? Qui c'est qui va le rassurer, ce gars-là, si moi, j'en parle pas? Non, non, je vous montre pas spécialement. Hein, je... Il l'a pris pour lui, il a dit, ça y est, c'est... Même sa femme a dit, il parle de toi, chérie, parle de toi. Non, 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 ça va. Non, parce qu'il a des lunettes en plus. Non, ça c'est une blague que je vais raconter en attendant que les derniers blaireaux, ils arrivent, hein. Vous savez pourquoi les myopes, ils se masturbent moins vite que les autres? C'est pas pourquoi, tiens, prête-moi tes lunettes. Et je les casse pas, je te promets, je les casse pas. Merci. Alors, les myopes, ils me craquent, ils les cassent quand même. Alors, les myopes, là, ils se masturbent, moi, vache, dis donc. Ils sont chargés à la chevrotine, hein. C'est pas des lunettes de PD, ça, hein. En plus, je dis pas tout ce qu'il a mangé à midi qui est sûr. Alors, donc je disais, mais normalement c'est pour voir mieux ce truc-là, non? Tu vois mieux avec ça? Incroyable ça, bon. Alors je disais, ah, vous avez tout repeint en bleu, c'est super, hein, voilà. C'est pas là, hein? Alors, j'ai l'impression d'être complètement... Non.
Je disais, les myopes, ils se masturbent moins vite que les autres, mais ils font comme ça, ils font. Vas-y. Alors, c'est une blague, hein. Vous lui raconterez, mais c'est la rien vu, hein, du coup, hein. Il a entendu rigoler, mais... Non, alors, je disais, sérieusement, j'essaierai, l'éjaculateur précoce. Je l'ai mis au balcon, hein, pour qu'on soit plus... Non, c'est normal. Ah, il y en a aussi, là-haut. Non, éjaculateur précoce, sérieux, va faire quoi? Bah, je vous pose la question. On va le laisser souffrir? Tout seul? Avec son boulet? Tout ça pour pas être vulgaire? Eh ben, moi, je dis non. Et croyez pas que ça m'amuse, hein. Vous savez, moi, je l'ai dit à la réunion des comiques, hein. Non, rigolez pas, les comiques, on se connaît tous, on se réunit, on en discute de tout ça. Bah, moi, je l'ai dit, hein. Bon. Oui, moi, je me suis pas gêné, moi, je me suis levé, puis j'ai dit, les gars, ça fait 4 ans que je fais le vulgaire. Bon, je voudrais bien décrocher un petit peu. Qui veut prendre le relais? Personne? Ah, bah, ben, tiens, ben, allez, attendez. Ah, là, là, là. Ah, là. Voilà, fait chier tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Philippe Feuillebois. Il dit, salaud planqué. Alors, ben, je vais faire chier celui-là finalement. Hein, donc les autres, vous pouvez vous... Vous pouvez vous détendre, hein. Alors, non, t'as loupé pas mal de trucs, ils vont te raconter, hein. Alors, non, je disais, oui, moi, à l'Assemblée des comiques, raconte-lui, mais doucement, hein, que ça fasse pas chier les autres non plus. J'ai dit, qui c'est qui va... C'est vrai, j'aurais dit, moi, qui c'est qui va reprendre le vulgaire? Alex, Sim, Zouk, Romain, personne, moi. Alors, je dis, alors, il y a des gens qui souffrent dans les campings. Bon, là, tu peux pas comprendre, par exemple, c'est un truc. Et il y a personne pour s'en occuper. Personne, moi. T'aurais vu ça, les Bougenas, les Bedos, tu vois, alors, ils sont dans leurs journaux, ça les intéresse pas, le vulgaire. Alors, si, à un moment donné, il y a Sabatier qui s'est levé. Tu sais, ce que les gars de la télé, ils viennent aux réunions, tu sais, des fois. Alors, lui, il dit, je veux bien le prendre, le vulgaire. J'ai dit, attends, Patrick, j'ai dit, t'as déjà pris la bonté, la charité et les pleurnicheries, tu vas quand même pas prendre le vulgaire en plus, hein. C'est un gros morceau, le vulgaire. Va pas te mettre ça sur le dos, tu vas finir par te faire virer de la télé, un de ces genres et des trucs comme ça. Alors, qui est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu dis, Guy? Si tu gardes les intervilles. Mais oui, tu les gardes, Guy. Non, c'est pas de ça qu'on parle, Guy, hein. Ah, ah non, c'est faut les voir, ils sont chacun dans leur truc, les gars, toi. Alors moi, il y a un moment, j'étais remonté. Ah, j'ai dit, ah, bon sang, là, il n'y a même pas les amis. Muriel, Pierre, Valérie, Albert, Laurent, Patrick. Non, les inconnus, là-bas. Non, ils jouent au billard, ils s'en foutent. Bon, ben, moi, je leur ai dit, vous êtes sympas, les copains. Mais moi, je suis pas d'accord pour laisser souffrir des gens. Eh ben, puisque personne veut le faire, le vulgaire, eh ben, moi, je m'y recolle, bordel, la cul de putain de merde. Et puis, pas plus tard que maintenant. Ben oui. Non, mais c'est sérieux. Je veux dire, je reviens sur mon éjaculateur précoce. Oui, c'est une expression, hein. Je dis, je reviens dessus, c'est... Merde. Ah. Non. Non, sérieux, mettez-vous à sa place. 2 minutes. Pas plus, oui, parce qu'après, il est barré. Non, mais sérieux, vous rigolez. J'imagine, éjaculateur précoce. Bon, lui, il a dégoté une gonzesse sublime. Bon, déjà, c'est pas souvent que ça y arrive. Hein? Bon, il est monté dessus, il a limé 2 coups, et... il a balancé la purée tout de suite, ça, il... Ah bon, il fait semblant de rien, et... Il sourit, Bon, il continue un peu pour être poli, mais enfin bon... Je veux dire, pour lui, c'est terminé.
Et à ce moment-là, la fille, elle lui dit « Vas-y, emmène-moi au septième ciel, et puis n'aie pas peur d'être long, j'ai horreur des lapins. » Alors, c'est pas de la solitude, ça? Alors, je vous repose encore un coup la question. Hein, on va faire quoi? On va le laisser souffrir avec qui? Il va en parler, le gars, si moi, j'en parle pas. Hein? Avec qui? Alors, je sais, évidemment, il y en a encore qui vont me dire, ton gars, il a qu'à aller voir un sexologue dont c'est le métier. Mais je veux dire, il va aller voir un gars qu'il connaît même pas. Hein, ça se trouve, je sais pas combien, la séance. Il va débouler là-dedans, il y a 3,80 m de plafond, des plantes vertes partout, des secrétaires sublimes. Lui, il est presque barré, on lui dit « c'est à vous ». Ah bon, alors, il va se retrouver en face d'un mec en costardé avec des western, je veux dire, il va y dire. Il va y dire, j'ai limé deux coups et j'y ai tout balancé dans la chatte. Non, moi je dis qu'il va pas le dire. Moi, je dis qu'il va le garder pour lui, tu comprends? Non, mais même honnêtement, attendez, je vous pose même la question à vous, hein, mesdames et messieurs, parce que là j'en vois déjà deux, trois qui... Je veux dire, honnêtement, vous iriez y dire? Non, mais même avec des mots choisis. Vous iriez dire, par exemple, je sais pas moi, la jeune fille pratiquait sur moi une fellation quand je n'ai pu contenir une émanation gazeuse qui l'a fortement incommodée? Hein, bien sûr que non, vous n'allez pas le dire. En plus, c'est même pas la vérité. La vérité, c'est qu'elle y faisait une pipe et qu'il y a pété à la gueule. C'est ça le truc. Ben moi, je dis qu'il va pas le dire. Il va le garder pour lui, alors que, vous avez vu, là, je crois qu'on a fait la démonstration. Hein, il suffit d'en parler pour dédramatiser le truc. Vulgaire ou pas vulgaire. Et je demande pas de médaille. Je demande pas de médaille. Et puis tiens, on va aller encore plus loin, je vais choquer tout le monde, on va tomber dans l'horreur, je m'en fous. Il y a un autre moment de solitude dont je veux vous parler. C'est le coup du coude. Le coup du coude. Le coude. Bah attendez, je vous explique. Alors par exemple, t'es au restaurant avec une jeune fille. T'as bu 2-3 scotch à l'apéro, t'as la moitié de la bouteille de pinard dans le cornet, toi t'es déjà bien chargé à la chevrotine, comme les lunettes du monsieur là-bas. Et alors, avec la jeune fille, ça se passe merveilleusement bien. Dans le restaurant, l'ambiance est feutrée, comme ça. Merci Charles. Et alors, tu t'apprêtes, comme on dit, à lui asséner la phrase qui tue. C'est-à-dire, tu plonges doucement tes yeux dans les siens, tu prends ta voix la plus grave, comme ça, puis tu fais... Tu sais, Béatrice, il y a aussi un truc qu'il faut pas... Eh ben là, c'est terminé! Je l'ai en une seconde, elle a vu que t'étais bourré, tu peux remballer les gaules! OK? Alors, allez, je vous remercie. Vas-y. Alors, vas-y. Allez, je vous le refais un petit coup, peut-être pour ceux qui n'ont pas bien vu. Hein, je vous refais un petit coup? Oui! Si, puis je me suis fait chier à aller chercher la table, je veux dire. Voilà. Bon, je vous refais un petit coup. Alors, regardez bien. Tu vois, Josiane? Oui, je change. Ah ben, ils suivent bien, là, hein? Tu vois, Josiane? Je me demande si entre nous, il y aurait... Pas grand-chose, oui, c'est vrai. Alors là, je suis conscient que là, on est allé très loin dans la vulgarité, c'est vrai. Mais en attendant, je vous repose encore un coup la question. Combien de gens on a rassuré comme ça en parlant? Hein? Et puis je vous rassure tout de suite sur un autre truc, va. C'est que je demande pas de médaille. Pas de médaille?
Même pas un petit pins? Ou un chocolat, ou une cacahuète, rien du tout. Bon, eh ben, tant pis, alors à ce moment-là, ce que je vous propose, mesdames et messieurs, ben, c'est qu'on fasse dès maintenant, tous ensemble, un premier petit bilan. Si, un petit bilan. On fera des bilans, hein, régulièrement, de toute façon. Si, j'aime mieux, moi, ne serait-ce que pour être à l'écoute des gens, tu comprends, c'est important. Hein, parce que, parce que vous savez qu'un spectacle, si vous ne savez pas, ça fonctionne vachement sur l'équilibre. Il faut tout équilibrer dans un spectacle. Donc, si jamais vous me dites à l'occasion d'un bilan, bah, tiens, il en manque un petit peu par là, hop, moi j'en remets un peu par là pour redresser le bazar. Donc un bilan, quoi, un bilan. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce premier bilan? Bah, ça ne se passe pas trop mal. Hein, personne ne s'est barré. On a même un blaireau qui est arrivé très tard, quand même. Alors... Donc tiens, c'est marrant, justement, je disais, il faut être à l'écoute. Quand on est allumé à cause de mes premiers blaireaux qui étaient là, les gonzesses, quand on est allumé, vous dites, ah, c'est marrant, j'ai repéré un groupe dans le fond, là-bas. Vous voyez, alors eux, ils se disent, mon vieux, ça fait 25 minutes que le spectacle est commencé, hein, et ben, il nous a toujours pas parlé d'archéologie. Et puis les gars, ils commencent à paniquer, hein, ils se disent, mon vieux, pas un mot là-dessus, dis donc. Alors, je vous rassure tout de suite, bien sûr que je vais parler d'archéologie, hein. Ah ben, je suis pas con, hein. Je vais pas m'amuser à faire un spectacle sans parler d'archéologie, c'est évident. Évident. Simplement, je vous demande 2 minutes, hein, je m'en occupe. Je peux pas vous dire mieux, je m'en occupe. Non, si je reviens un petit peu sur cette histoire d'équilibre, c'est que c'est vachement important, parce que là, il s'agit d'un groupe un peu isolé, hein. Mais dites-vous bien que si dans 5 minutes, toute l'assemblée là, venait à dire « Bah tiens, c'est sympa son spectacle à Bigard, on rigole bien et tout, mais dis donc, ça manque un peu de culturel. Hein. » Ah oui, nous on aurait bien voulu entendre un peu de culturel. Eh ben, je veux dire, c'est pas un problème du tout. Hein. Ah ben moi, vous me demandez du culturel, tiens, je vais fouiller dans mon bazar, tu vas voir. Alors, qu'est-ce qu'on en a branlé du culturel Ah oui, voilà, hop, là, vous avez vu? C'était vite fait. Vous voyez, là, voilà du culturel. Tu vois, ça, c'est la leçon de piano d'Henri Matisse, 1916. Ça, c'est culturel, vous voyez. Donc c'est, ça, c'est un livre, ça c'est un des tableaux les plus connus du monde, un des plus chers aussi. Vous savez, il y a un Matisse qui s'est vendu 14 millions de dollars il y a quelques mois de ça à New York. Si vous voulez, ça, c'est un tableau qui est très significatif de la problématique explorée par Matisse. Hein. Donc, qui abandonne complètement l'espace pictural traditionnel, hein, on peut dire, au profit d'un espace bidimensionnel, donc 2 dimensions, hein, pour les plus cons qui... Hein. Alors, il s'y prend comment? Il prend des couleurs pastel, j'explique pour le fond, hein, c'est assez loin, le balcon, et il prend du vert, du rose, comme ça, ça a des couleurs pastel, ça aplatit bien tout. Et puis alors après, il juxtapose les plans. Ça fait qu'il n'y a plus de relief du tout, c'est tout plat. D'ailleurs, même Matisse le disait, hein, disait, plus c'est plat, plus c'est de l'art. Titi disait ça, titi. Vous voyez, là aussi, ils le disent, hein, d'ailleurs. Hein. Et ce résultat est obtenu par l'utilisation de couleurs en demi-teinte, hein, ce que je vous disais, hein, et par une structure en plan juxtaposé, engendrée par un jeu savant de lignes verticales, horizontales et... oblique. Là, je crois qu'on l'a fait, là, le culturel, hein? Bon, vous y aurez pu réclamer? Vous voyez? Non, mais... Et je me demande si, même si là, on n'a pas fait chier tout le monde avec ça. Ah, vous voyez bien que là, il est temps de rétablir l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Rétablir l'équilibre pour 2 trucs. Alors, premier truc, voilà, un truc bizarre. Je sais pas ce qui se passe ce soir.
Ah non, je te jure, c'est la première fois que ça me fait ça. Ouais, ce soir, j'ai une espèce de ligne, ici au milieu. Alors, de ce côté-là, les gens rigolent bien, même un peu trop, même. Et bien alors, de ce côté-là, je sais pas si c'est mon retardataire qui m'a gangréné le truc ou quoi. Alors ici, ça pionce, rien du tout ici. Alors ici, je vous demanderai de vous secouer un petit peu. Et puis ici, je vous demanderai de vous calmer un peu. Hein? Donc ne serait-ce que pour rétablir l'équilibre. Alors le deuxième truc à équilibrer, vous allez voir, tout ça c'est très logique. Hein? Ça tombe sous le sens, comme on dit, ça coule de source. Le deuxième truc à équilibrer, vous avez remarqué, depuis le début du spectacle, on a beaucoup parlé de cul. Hein? Donc maintenant, automatiquement, on va parler de... Alors ils disent, ben nous on va essayer de participer un peu plus. Alors, j'ai eu fesses, nichons, j'ai eu une petite bite dans le fond, pas énorme, mais enfin une petite bite quand même. Hein. Non, attendez, ce qu'on va faire, on va dire nichon, fesse, bite, tout ça, on va dire tout ça, c'est compris dans le cul, on va dire, hein. On peut essayer d'avancer un petit peu, hein. Non, parce que là, à mon avis, il faut sortir du slip rapidement, parce que bon... Ah ben moi, je veux bien qu'on reste un peu, hein, mais... Vous savez, on va aller d'une couille à l'autre, et puis... Quand on aura fait la quéquette et le trou de balle, eh ben... Après, on va se faire chier, moi, je vous le dis, hein. Et puis, en plus... Ouais, vraiment... Puis en plus, c'est pas tellement mon truc, alors tu vois, donc je... Mais détendez-vous, hein. Vous êtes au spectacle, laissez-vous aller, hein. C'est gueulé. Alors, en plus, je vous ai dit, c'est facile. Hein, je vous ai dit, ça coule de source, ça tombe sous le sens, vous allez trouver tout de suite. Alors, je vais vous répéter le truc, vous allez voir, c'est facile, ok. Hein, allez, je vous répète le truc. Ah. Mais bah, c'est facile, il n'y a pas de problème, ok? Allez, je répète le truc. Ah. Tu veux voir, c'est facile, il n'y a pas de problème, ok? Allez, je répète le truc. Le mec, il fait une demi-heure comme ça. C'est... Les archéologues, ils s'ouvrent les veines dans le fond, tu vois. Alors, non, alors... Écoutez. Je répète le truc. Écoutez bien. Tu veux voir, c'est facile. Okay. Depuis le début. C'est-à-dire, rigoler que quand c'est drôle, hein, quand même, hein. C'est là, j'ai un groupe de décalés, là, tu vois, ils... Si vous voyez, ils rigolent d'un truc d'avant qu'ils ont pas fini, tu vois. C'est pour ça qu'ils tombent pas en même temps que les autres, tu vois, ils... Tu vois, là, ils sont au deuxième taureau, et puis ils arrivent pas du tout à rattraper le bazar. Et on vous laisse 5 minutes, si vous voulez. Alors, ah bon, écoutez bien. Ah, écoutez bien. Depuis le début. Ben venez vous mettre avec eux à ce moment-là. Si vous avez pris du retard. Alors, non, depuis le début, vous avez vu, on a beaucoup parlé de cul. Donc maintenant, automatiquement, on va parler de... Non, de hasard. De hasard. Si, mais ça m'arrange bien en plus. Et puis vous avez vu comment il est arrivé le thème, là? Par hasard. Vous avez vu, on l'attendait pas, hein. Ah ben, on rigole, mais n'empêche, le hasard, c'est quand même comme ça. Hein? Quand ça tombe, et puis c'est tout. Je dis, tu peux pas lutter contre le hasard. Hein? Ah ben, tiens, vous vous souvenez l'histoire du gars dans l'avion, hein. Il dit, oui, je me souviens bien. Et bon, ben, je me barre, alors... Je... Non, j'aimerais mieux que vous ne vous souveniez pas, non. Non, et ça, c'est une histoire qui est authentique, ça, hein. Ça, c'est intéressant, c'est une histoire vraie. C'est un gars, il donne un avion. Je le fais bien, l'avion, hein, déjà, là. Il donne un avion. D'un coup, il a envie de pisser, le gars. Il sait pas pourquoi. Voilà le truc, déjà. Bon, il y va... 10 secondes après, l'avion s'écrabouille par terre. Mon Dieu, tout le monde est mort.
Il y a un rescapé, le mec qui était dans les chiottes. Non mais attendez, je veux dire, c'est d'aller aux chiottes qui a sauvé la vie au mec. Oui, parce que c'est même pas de pisser à lui qui a sauvé la vie, il a pas eu le temps de faire. Hein. Si, si, ils l'ont retrouvé, il avait encore la bite à l'air, il était là comme ça, il était complètement dans l'air. Si, si, il l'a dit au journaliste, hein, il a dit, ah bah dis donc, j'avais pas eu le temps. Hein. Enfin, d'un autre côté, c'est pas pratique non plus quand l'avion se casse la gueule, si peu que t'aies des boutons, bon. Hein, mais pour dire qu'on n'est pas grand-chose, hein. Tiens, une autre, authentique aussi, hein. C'est des décalés aussi qui sont... Non, sérieux, Zéva, note. Dis ça, Zéva, le hasard. C'est un condamné à mort. Vous entendez, c'est pas drôle du tout, hein. C'est un condamné à mort qui est dans sa cellule le jour de son exécution. J'aime autant dire, les gars, ils déboulent à l'aube, hein. Ils y coupent les cheveux, tu sais, qui dépassent derrière, le col de la chemise qui gêne et drôlement mal barré le gars. Bon, l'aumônier, il arrive, il dit, quelle est votre dernière volonté? Le gars, il dit, qu'on en finisse. Ah oui, il n'a plus aucun espoir, le gars. Et on le voit bien, il refuse la clope, le verre de rhum et tout, mon vieux, il traîne dans la cour. Ils y attachent les mains dans le dos, ils y collent la tête dans l'encoche, il referme le truc au-dessus, le bourreau, il est prêt à actionner, il lui reste 2 secondes à vivre, au mec. 2 secondes. Au dernier moment, il y a une porte qui s'ouvre dans le fond de la cour, il y a un mec qui crie « Attendez !» Putain, tout le monde s'arrête, silence de mort, c'est le cas de dire. Le gars, il dit « C'est l'exécution de Vermontier ?»« Non, non, c'est Bernardin !»« Ah bon, ben allez-y, alors, allez-y, allez-y, allez-y !» Vous vous rendez compte? Ce qui s'est passé dans la tête du type. À 1 seconde près, il est mort quand même. Tiens, une autre, atroce et authentique. Hein. J'ai un copain qui allait partir en vacances avec sa femme. Attention, quand je dis qu'ils allaient partir, ils étaient dans la bagnole. En bas de chez toi, faut bien le faire, le geste, parce que sinon... T'es dans la bagnole en bas de chez eux, avec la caravane au cul, et puis tout dans la bagnole. Il y a les papiers, les passeports, le pognon, tout. Au dernier moment, sa femme a dit, Roger, on a de la route à faire. Tu veux pas qu'on remonte boire un petit café à la maison? Je voudrais pas user celui qui est dans la thermos. Vous les connaissez, non? Alors, le Roger. Quel con, ce Roger, je te jure. Le Roger, lui, il laisse les clés sur la bagnole, et puis il remonte, boire un café, mais 2 minutes. Montre en main, 2 minutes. Tain, ils redescendent. La bagnole, la caravane, les passeports, les papiers, le pognon, la thermos... Intact. T'as jure, hein? Non, mais attendez, attendez. Alors, attendez. Il monte dedans, il se barre. 20 kilomètres plus loin. Tu m'entends? Ils arrivent au carrefour de Frégolin. Dangereux carrefour de Frégolin, hein? Ça, Roger, il le sait, il passe tout le temps là pour aller au boulot. Bon, sa femme, elle voit arriver un camion sur la droite, et de ce Roger, voilà un camion. Roger dit, attends, c'est moi qui conduis, j'en pense. Ça m'a ce qu'il oublie, ce con de Roger. C'est qu'il a une caravane de 8 mètres au cul. Oh putain, le camion, il devait rouler au moins à 120 km/h. Il lui a évité la caravane de ça. 5 heures plus tard, vous allez voir, c'est complètement dingue. Ils arrivent au camping. Un petit coin de paradis dans le Vercors. Même les chiottes sont propres. Là non plus, tu peux pas comprendre. Alors, là, ils passent des vacances. Là, ils passent. Ouais, de là, de là.
Là, il passe des vacances merveilleuses. Un mois plus tard, il remonte en bagnole à Paris. Aucun problème. Oh merde, c'est trop con, merde. Tango, ils avaient fait des photos. Tu sais, des photos, ben, des photos de vacances, toi. Eh ben, c'est important, les photos de vacances, hein. Surtout quand tu vas qu'une fois de l'année, toi. Eh ben, oui, c'est des souvenirs. Alors, ils avaient donné aux photographes pour qu'ils développent. Et alors, 8 jours plus tard, ils disent, oh merde, c'est moche, bordel. Ah, des braves gens, hein. Ah, ça serait pas arrivé à une canaille, ça, je te le dis, hein. Toi, ça se demandait s'il y a un bon Dieu, toi. Ben celui de Roger, lui, il déboule dans le truc, lui. Ah ben, il se doutait de rien, le Roger, tu vois. Et puis là, quand même, en rentrant dans la boutique, là, il le voit dans les yeux du gars. Le photographe, il dit, venez pas chercher vos photos. Roger, il dit, oui. Le photographe, il dit, oui, mais malheureusement, vos photos, elles seront prêtes que demain. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Bon, d'accord. Alors, non, attendez, alors vous bougez pas, vous restez là, je vais m'absenter 2 petites minutes. Vous restez là, je me sens deux petites minutes. Charles, tu me coupes le micro, s'il te plaît. Merci, Charles. Ah, putain, j'aurais demandé 2 minutes, je peux plus les supporter. Ils sont mous, ils comprennent rien du tout. En compte, je leur dis, vos photos, elles seront prêtes qu'à demain. Ils se rendent pas compte. Ah, puis alors, je sais pas si c'est le nouveau placeur qui pue de la gueule ou quoi. Bien, j'ai une espèce de ligne au milieu. D'un côté, les gens, ils rigolent bien, puis de l'autre côté, il n'y a rien à retirer. Ah, non, je te parle pas de mon retardataire. Non, je te dis que c'est la soirée, bordel. Attends, écoute ça. T'as pas entendu? J'ai une bande d'archéologues dans le fond de la salle. On chiait depuis le début. Ah ben, s'ils continuent à m'emmerder, je vais pas en parler du tout d'archéologie. Ça va bien les calmer, ça. Oui, je vais y aller. Oui, ben, attends. Ils vont m'attendre 2 minutes. Non, mais je vide la bouteille, là. Il y a 2 jours qu'elle est là et quelqu'un qui va boire dedans. Ouais, je vais y aller, je bois un coup, j'y vais. Ah. Et si ça va aller? C'est ce que je vais faire? Je vais leur dire qu'ils sont formidables et puis ça va encore les faire marrer. Ah, Charles! Excusez-moi, j'avais ma femme au téléphone. C'est marrant, à l'instant, je lui disais, vous êtes formidables. Regarde-moi ça. C'est que samedi dernier, je reviens comme ça, il y a une dame dans la salle qui fait « On a tout entendu !» Bon, excusez-moi. Faucheton. Excusez-moi pour la petite coupure. Ce qui va se passer maintenant, je vais vous demander un petit coup de main. Mesdames et messieurs, truc tout simple, et pour relancer l'ambiance, ce qui va se passer, c'est que Charles, à la régie, là-haut, mon ami Charles, va nous faire un petit noir. Non. Ils ont ça dans la peau, hein. Non, avec la lumière, hein, sinon, on n'aura pas le temps. Faut trouver la fille et tout, ça. Ça va prendre des mois, ce truc-là, regarde. Donc, Charles va nous...
va nous couper la lumière. Vous, pendant ce temps-là, c'est là que vous intervenez, vous allez me faire un petit applaudissement. Et moi, je vais revenir dans 3 secondes avec un truc, alors là, qui va surprendre tout le monde. Allez, on y va! Où est-ce qu'elle est passée, celle-là? C'est pas possible, ça, hein? Jeanne! 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 Surprenant, non? Attendez, vous avez pas tout vu, regardez! Jeanne, t'as vu le bordel que c'est dans la cage, Jeanne? Je te rappelle que ce soir, on reçoit le chef de la tribu des Gurundis à dîner. Et t'as vu dans quel bordel on va le recevoir? Alors, je t'écoute, Jeanne, tu as fait quoi pour le dîner? En entrée, salade de banane. Ensuite, beignet de banane. Mon Dieu! On y croit là? Et comme, merci. Et comme dessert? Comme dessert, une banane? Fous de ma gueule, Jeanne, ou quoi? Jeanne, je rappelle que les bananes, ça tient pas au corps, Jeanne. Jeanne, un jour, je vais te faire une crise d'hypoglycémie en haut d'une liane. Tu vas te retrouver veuve avant l'âge, hein? Que ce c'est que cette saloperie, hein? Mon Dieu! Non, je vais mettre par là, je vais mettre par là. Non, s'ils vont me la gauler, après, ils vont me la gauler. Non, Jeanne, c'est vrai, tu peux pas faire un bon rôti une fois de temps en temps, Jeanne. Surtout avec tous les animaux que j'éventre à longueur de journée, hein? Tu sais, Jeanne, c'est pas la peine d'avoir la SPA au cul. Si c'est pour être végétarien. Non, Jeanne, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le ménage et la bouffe que tu sais pas faire, Jeanne, hein? Même la lessive, tu sais pas la faire, ma pauvre Jeanne. Qu'est-ce que je te dise? J'ai des marques sur ma veste, c'est quand même pas normal, Jeanne. Bon, ben, Jeanne, si tu sais pas, à ce moment-là, tu le dis, et puis je prends quelqu'un d'autre, tu comprends? Non, Jeanne! Ah ouais! C'est quand même pas sorcier, hein! Et puis merde, tiens! Tiens, à propos de sorcier, Jeanne, j'aimerais que tu arrêtes de recevoir ici ton umkurem. Si tu le reçois, ne me dis pas que tu le reçois pas parce que je le sens, Jeanne! Alors dis-moi pas que je sens pas parce que même à distance, moi, les choses, j'ai. Good job! Ah, arrête-toi! Ah, mais tu vas voir ta gueule, Et ici! Ah! Et puis un autre truc, Jeanne, que je voudrais te dire. Jeanne, j'aimerais que tu arrêtes. C'est pas à moi, ce truc-là, c'est pas à moi. Jeanne, j'aimerais que tu arrêtes de planter des aiguilles dans ma statuette à chaque fois qu'on s'engueule, Jeanne, hein? Oui, mais tu m'en as piqué une dans le cul pendant que je me colletais avec un léopard, je l'ai senti passer! Allez, dégage! Dégage! Non! Le pompier, il a fait avec la brisée. Non, c'est pas à toi que je parle, Jeanne! Jeanne, je dis dégage, je dis, mais attends, Jeanne, t'es complètement parano, ma pauvre Jeanne, hein? Alors tu prends tout pour toi maintenant, c'est ça? Hein? Non, Jeanne, j'ai l'impression que tu nages en plein délire, Jeanne, hein? Non, je sais pas, je te pose la question. Je me dis que là, il y a quand même un problème, là, Jeanne, hein? Allez, je dis, on essaye de vivre tranquillement dans cette maison. Il n'y a rien à faire, hein? Faut que tu compliques tout. Mais lâche ça, toi! Ta gueule, toi! Hein?
Oui, bah, je te sens crispé, Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je te pose la question. Je me dis que là, il y a quand même un problème, Jeanne. Ça fait 8 jours que tu m'as pas parlé, Jeanne. Bah, écoute, pour qu'on ait une conversation, Jeanne, faut être deux. Par exemple, je te parle, tu me réponds, et puis à ce moment-là, moi, je te réponds. T'as pas entendu, Jeanne? Attends, tais-toi. T'entends pas les tam-tams? Ah, merde! Bah, qui tu veux que ce soit? C'est encore les bigumbos qui viennent de déclarer la guerre aux Mawundé? Bah, il faut que j'y aille. Tu les connais, ils sont tellement cons, ils vont s'entretuer jusqu'au dernier. Bon, alors... Merci, Jean-Pierre. Donc, ce qu'on fait, on se retrouve directement avant le dîner? J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Bon, ça va me revenir. Allez, à tout à l'heure, Jeanne, hein. Non, faut pas que je passe par là, voilà. Non, à cette heure-ci, je vais me faire chier avec les éléphants, Non, je vais passer par la véranda, Jeanne, te dérange pas. Allez, à tout à l'heure, Jeanne. Bon. Ah. Ça va ma chemise là? Il commence à y avoir des ronds un petit peu là. Après il y en aura des gros là, toi. Puis après des gros là, toi. Il transpire plein des robignoles. Ah. Attendez, je vais m'éponger un petit coup. Ah. Vas-y Jean-Pierre. Alors tiens, justement, j'en profite pour vous dire un truc important. Ça concerne votre sécurité. Il faut absolument faire gaffe. Oui, comment ça va, Non. Parce que c'est dangereux quand même. Non, ça va. Et là, il y en a une verte. On n'a rien entendu. Alors, sinon, jusque-là, ça va? Oui. Ne me répondez pas individuellement, hein. Ce serait beaucoup trop long. Tu vois, si je commence par le monsieur au bout, il va dire, bah non, justement, ça va pas de trop. Et moi, je regarde le spectacle comme ça depuis tout à l'heure. Et le caméraman, il me fait chier, il me bouge tout le temps, le machin. En plus, je me suis engueulé avec ma femme pour une connerie ce matin. On a pris un PV avec la bagnole, juste devant. Déjà qu'on a un découvert au Crédit Agricole. Genre, on s'en bat les couilles, toi, vraiment. Ouais. Enfin, sauf le respect, hein, bien sûr que... Je vous dis, mais je veux dire, si je vous laisse démarrer, alors il va y avoir un groupe de 5 par là, on va dire, ah ben justement, nous, ça va pas trop non plus. On a un étudiant parmi nous qui a payé plein tarif, mais s'il avait oublié sa carte à la gare de... Oh! Parce qu'après, j'ai les archéologues dans le fond, ils vont se lever d'un bond. Non, je vous demande si ça va. Globalement, vous me répondez à peu près oui, et puis on n'en parle plus. Si vous voulez, c'est une expression. Comme bon appétit. Vous avez remarqué ça? Nous, en France, on se souhaite bon appétit. C'est drôle parce que nous, on a à manger dans l'assiette. Hein, si on est venu à table, c'est sûrement parce qu'on avait faim. Et puis, une fois à table, eh ben, ça se présente pas trop mal. Disons, il y a le gigot qui est au milieu, il y a le beau-frère qui est en face. Bon, on a tous la fourchette à la main. Bon, et puis le gigot, c'est sûr que c'est nous qui allons le bouffer, je veux dire. Hein, Il n'y a personne qui va venir nous le gauler au dernier moment, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'un casque bleu au bout de la table pour surveiller le bazar, toi, disons que bon. Disons qu'on n'est pas vraiment en danger de mort, toi. En tout cas, on contrôle pas mal le truc, quoi. Et alors, il y a quand même une vieille angoisse qui plane comme ça sur nos tables à nous, toi. C'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Ça nous fout les jetons, toi. D'ailleurs, on s'encourage les uns les autres. On se dit, allez, bon appétit, hein. On y croit, on se bat. On n'a quand même pas cassé la gueule à une bouteille de Ricard à l'apéro pour se laisser emmerder par un petit gigot de 5,5 kg, quand même. On n'est pas des pédés, on va le bouffer, ton gigot. Parce que, d'accord, on a eu de l'appétit ce matin, c'est vrai.
On en a eu à midi. Coup de bol. Mais ce soir, on n'est pas à l'abri, tu comprends? Ça, on fouette avec la pétine. Alors, il y en a plein des exemples comme ça. Par exemple, vous pointez au resto avec un copain. Vous connaissez, non? Alors, vous arrivez, le garçon, il vient vous accueillir, il vous dit, c'est pour dîner? Mais non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre, non? Vous en avez pas? Bon, ben, on va dîner, alors, à ce moment-là. Connard. Ça tombe bien, on avait oublié nos raquettes. Alors après, il insiste. Il insiste, le garçon. Non, mais ça... Il insiste, le garçon, il dit, deux couverts. Il dit, non, mon pote, il va manger avec ses doigts, et puis... Je lui repasserai la fourchette de temps en temps. Connard. Alors, rigolez pas trop, parce que des fois, c'est le client qui est con, quand même, hein. Des fois, c'est nous, hein. Des fois, le client, il prend le menu comme ça, puis il dit au garçon, « Il est frais, votre poisson ?» L'autre, il dit, « Non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer quand même. C'est le jeu. » Et moi, l'autre jour, j'étais au restaurant, je venais de finir mon assiette. Moi, j'avais tout bien récuré, tu sais, l'assiette, elle brillait, tu vois, on aurait pu la remettre en vitrine direct, tu vois. Et le garçon, il arrive vers moi, il me dit, « Vous avez terminé ?» Ben, j'ai dit non, je vais manger l'assiette, puis après je verrai ce que je peux faire avec la table. Connard. Alors, je vous remercie. Ah, j'ai pas fini. Attendez, j'en ai un paquet encore, vous allez voir. Par exemple, vous êtes invité à une soirée chez des amis. Alors, vous arrivez devant la porte, la maîtresse de maison à Louvre fait « Ah, c'est vous !» Et non, non, c'est pas moi. C'est pas ma femme, je la connais même pas. Nous, on est encore coincés dans les embouteillages. Mais méfiez-vous, à mon avis, on va pas tarder. Alors toi, t'as amené un bouquet pour être poli, toi. Bon, on va le faire tous ensemble, celui-là, d'accord? On va voir si vous connaissez. Alors, ça va permettre au décalé de rattraper un petit peu, parce que... Alors donc t'as amené... T'as amené un bouquet pour être pris. Alors là, la maîtresse de maison, rieuse. Dès qu'elle aperçoit le bouquet, elle se met à hurler à la mort, elle fait... Oh. Bravo. Bravo. Non, non, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui vous applaudis, je veux dire. C'est génial, on se croirait à Patrick Bruel. C'est des sketchs marqueurs. Jean-Marie! S'il y avait 2-3 filles qui pouvaient tomber un peu dans les pommes, peut-être. Non? Ou se jeter à poil du balcon. Non? C'est ça, bon. Alors, non, non, le faites pas, le faites pas. Non, non, j'ai toujours peur qu'il y en ait. Non, on le fera tout à l'heure, les filles, si vous voulez. Vous vous préparez, dans la deuxième partie, je chante une chanson. Donc, il y a un moment, on le fera, ça, puis vous vous jetterez à ce moment-là, je vous dis rien. Alors, c'est une décalée qu'on profite, elle est... C'est toi, elle chôme pas, hein, remarque, elle y va, hein. Parce qu'on n'a pas le même braquet, alors donc, évidemment, elle rattrape que t'es peu. Bon, on finit le sketch? Oui, on finit le sketch, bon. Alors donc, des fleurs, bon. Alors... Je le fais pas bien? Non, parce que d'habitude, on doit y offrir des carottes râpées, ou des boulons, ou des roues de bagnole, ou des pneus de tracteur. Donc là, elle est vachement étonnée, c'est des fleurs. Mon vieux, il n'y avait encore jamais fait le coup. Alors tu rentres quand même, alors, dans la maison à gauche, t'as les chambres à coucher, à droite, t'as la cuisine, puis devant, t'as une pièce pleine d'invités. Et là, elle croit bon d'ajouter, c'est par là. Pour le cas où t'aurais voulu aller dormir une heure ou deux avant, et si tu voulais aller faire un peu de vaisselle avant, toi, pour te mettre dans l'ambiance. Alors après, elle insiste, la maîtresse de maison fait, si vous voulez bien me suivre, bah un peu que je vais la suivre. D'ailleurs, je me suis quand même pas tapé 2 heures d'embouteillage pour craquer à 3 mètres du bol de sangria, quand même. Alors, il y a pire.
Parce qu'une fois à l'intérieur, tu tombes sur un autre copain qui te dit « Tiens, t'as été invité aussi ?» Ben, tu dis « Non, j'ai cassé un carreau pour rentrer, connard !» Et puis tu dis « Entre nous, si j'étais venu pour recoller la moquette, tu crois que j'aurais mis un smoking, je te demande ?» Alors vous pouvez en chercher pour chez vous. Par exemple, tu croises un pote dans la rue, il dit « Tiens, t'as été chez le coiffeur ?» Non, non, ils sont tombés tout seuls cette nuit. Ou alors, tiens, t'es rentré de vacances? Non, non, j'ai les palmes et le tuba dans la tâche caisse. Comment tu trouves mon maillot trois pièces? Et puis tiens, je vais vous en donner une paire de toutes fraîches, que vous connaissez pas. Alors, de toutes fraîches, je vous laisse juger. L'autre jour, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Il y a quelqu'un qui est tombé, non? Alors, non, ça va? Alors, donc, oui, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Et puis il me dit « Ça sent mauvais, c'est toi qui as pété ?» Bah, j'ai dit « On est que deux !» Bien sûr, c'est moi. Mais on se demande ce qui se passe dans la tête des gens. Hein. Même les machines font de l'humour. Saviez pas, il y a juste à regarder. Et un jour, je vais au distributeur de billets. Bon, alors je mets ma carte dans le truc, je compose mon code, je valide. Je demande du pognon, on me dit que c'est bon, tout ça. À un moment, on me dit, retirez votre carte. Je tire ma carte. Et alors là, sur l'écran, il s'inscrit, attendez vos billets. Pour le cas où le gars voudrait se barrer juste avant, tu vois. Dès que j'ai récupéré ma carte, je me suis barré en courant. Personne ne m'a vu. Ah bah, je leur ai bien baisé la gueule. En plus, j'avais demandé 1800 balles, ils sont bien emmerdés avec ça. Ah bah, quand on peut faire chier un banquier, hein, on va pas se priver. Mais quand même... Celle que je préfère pour finir ce sketch, c'est quand même les deux blaireaux qui discutent ensemble. Il y en a un, il dit à l'autre, j'ai perdu mes clés. Et l'autre, il dit, tu les as perdues où? Il dit, je les ai perdues là-bas, mais je préfère les chercher là. Qu'est-ce que je suis con, donc, allez-y, je vous remercie. Merci. Merci. Merci, merci, mesdames et messieurs, merci. Et maintenant, une bonne nouvelle. Pour toutes celles qui ont envie de pipi, toutes celles qui ont pris un peu de retard, tous ceux qui ont envie de fumer une petite clope ou de boire une petite bière, et ben, à des nombreux bars qui sont ici à l'Olympia, et ben, c'est le moment parce que c'est maintenant le moment de... Bien sûr, connard. Et donc c'est l'entracte, alors... ça dure une vingtaine de minutes, il y a une sonnerie qui va vous ramener... une sonnerie qui va vous ramener. Il dit, bonjour, je suis la sonnerie, je vous ramène... Non. Il y aura une sonnerie, vous allez revenir tout seul, elle va rien faire, la sonnerie. Elle va juste vous prévenir. Et alors donc, 20 minutes, je vous disais, je vous dis par avance, en deuxième partie, là, en plus de ce nouveau spectacle, je vous ferai tout à l'heure peut-être des vieux sketchs que je sais que vous aimez bien. Je ne vous en dis pas plus. Par exemple, des trucs comme ça. Et tout de suite après moi, il y a un monsieur qui va venir vous parler de la roue tourne. C'est une tradition ici, à l'Olympia. La roue tourne, c'est pour les comédiens nécessiteux. Donc on va vous demander un petit peu de pognon, peut-être, à droite, à gauche. J'espère que vous serez généreux. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure, dans 20 minutes, et bon entracte. OK? Allez. Bon, eh ben, il faut y retourner, hein, les gars. Hein. Tu y vas, hein. Alors, je fais le tour de mes amis, tu vois. Allez-y, finissez vos clubs, parce que j'y retourne. Hein. Salut, les gars. Ça va, je fais un petit tour pour voir si tout va bien dans les chiottes, ça va? Bonjour, madame.
Ça s'est bien passé? Oui, très bien. On était un petit peu inquiets, hein, je vous cache pas. Vas-y, sors, si t'as des couilles, sors, vas-y. Ah, c'est une fille. Oh, c'est une fille. Non, tu vas, tu vas. Salut, mon Charles. Ça va? On y va, les gars, hein? Allez-y, installez-vous. Les filles se jettent sur moi, c'est génial. T'as. On a bien vendu? Bon, j'ai un pourcentage sur les micos, c'est pour ça. Allez, installez-vous, hein, je vais chercher les poivrons au bar et puis on y va. Hein. Comment tu vas? Ça roule? Allez-y, les gars, allez-y, hein, je pars devant. Fais pas attention, il y a une caméra juste derrière moi, un gars qui me suit depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui se passe. Ah. Allez, allez. Ah, c'est Pierre-Jean. Salut. C'est les filles. Salut, enfin, les filles, non. Bon, alors on va rattaquer. Ça va, Georges? On va attaquer tranquillement, donc, je disais, mesdames et messieurs. Allez-y. Alors, et alors, on va attaquer d'ailleurs avec un truc dont je suis sûr, on vous a encore jamais parlé. C'est le chutier. Qu'est-ce que c'est que ça, le chutier? Le chutier, si vous voulez, mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'on n'a pas mis dans le spectacle. Par exemple, quand vous avez regardé un film à la télé ou au cinéma, et bien vous doutez bien qu'il y a des tas de séquences qu'on a tournées, qu'on ne vous montre pas. C'est toutes les séquences loupées. C'est quand le pétard n'a pas pété, par exemple. Ou alors, c'est quand le comédien il s'est laissé distraire par une réflexion du réalisateur. Surtout dans les films de cul. Tu sais, quand le réalisateur il dit au comédien, il dit « Tiens, Raymond !» tout en limant, tu peux t'écarter un petit peu parce que t'as les valseuses qui me cachent le trou du cul de Josiane. Bon, et puis le gars, ça l'a perturbé, tu vois, il s'est mis à me lire, tu vois, mais... Ah ben, on a été obligé de couper. La bite, hein, du gars, hein. Ah oui, ça a été vachement loin, ce gars. Ou alors, c'est quand la comédienne a fait « Atmosphère, atmosphère !» Est-ce que j'ai une gueule d'asmlotf? Merde! Eh bien, ça, c'est des coupes, des chutes, et toutes les chutes, eh bien, toutes les chutes, on les met dans un... Tout simplement. Voilà, vous avez compris. Eh bien, pour un spectacle, c'est exactement la même chose. On écrit plein de sketchs, on prend une heure et demie, deux heures, comme ça nous arrange, et tous les sketchs qui n'ont pas servi, on les met dans le... Ça marche bien, ce truc-là, c'est super. Alors, comme moi, j'ai bien travaillé... Eh bien, il se trouve que j'ai un gros... Voilà, je crois qu'on le tient, là. Là aussi, un jour, je rentre comme ça avec ça, et je dis, j'ai un gros, et il y a une dame qui me fait cailler. Alors, donc, il s'agit donc bien du chutier, je dis pour ceux qui se sont attardés un petit peu au bar. Donc, le chutier, je vous rappelle, tout ce qu'on n'a pas mis dans le spectacle. Hein. Par exemple, parce que c'était pas drôle. Ben oui, ça la fout mal dans un spectacle comique, hein. Ça vous semble pas évident, ça? Alors, attendez, je vais vous en donner un, vous allez mieux vous rendre compte. Toi, par exemple, oui, tiens, celui-là, ça c'est les deux mecs qui sont au bistrot. Et il y a un des deux mecs qui dit à l'autre, il dit, « Moi, mon pote, ma montre, elle est étanche à 50 mètres. » Et l'autre, il dit, « À 50 mètres de la plage. Ouais. » Ah ben quoi que ça fait rigoler quand même, hein. Ah ben je le mettrais peut-être dans la version longue, alors. Faudrait que je vois ça. Alors tu vois, bon, on a plein de trucs comme ça là-dedans, hein. Tu vois, c'est rigolo, je feuillette ça. Oui, tiens, ça c'était pas mal, mais c'était trop long, ça. Ça c'était sur les chansons paillardes. Ça vous intéresse? Oui. Ça vous intéresse? Oui. Eh ben dites-le, hein. Donc là on s'était dit, ben, on pourrait chanter les chansons paillardes. Il suffirait de remplacer les mots grossiers par un bip sonore. Un bip sonore, hein. Ça va la peau aussi, ça. Alors, mais le bip sonore, ça allait pas, parce que rien que dans la digue du pente, ça allait pas, parce que rien que le refrain, ça faisait lève la pente, voilà que ça pente, lève la pente, 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 voilà que ça pente. On comprenait rien. Alors on s'est dit, on va changer, on va remplacer les mots grossier par d'autres mots. Et puis là, ça peut peut-être aller. Et puis, problème encore avec le curé de Camaret. Vous savez, le fameux curé de Camaret. Oui, parce qu'au début, nous, on avait pensé faire
Le curé de Camaret a les sacoches qui pendent. Ah ben, s'il est en vélo, c'est pas sale, hein. On peut le dire. Mais là, après, ça allait pas. Et là, pourquoi? Parce qu'après, ça faisait le curé de Camaret a les sacoches qui pendent. Et quand il s'assied dessus, ça lui rentre nulle part. Parce que. Une sacoche, c'est beaucoup trop gros, tu comprends? Même en imaginant une sacoche un peu plus petite. Non, en plus, il y a des crochets dessus, je veux dire. C'est des coups à se blesser, moi je dis, vaut mieux pas, toi. Alors, après, elle a foutu dans le chutier, tu vois, alors plein de trucs comme ça là-dedans. Alors, bon, tu vois, des trucs qu'on peut pas mettre dans un spectacle. Tiens, là, j'avais noté les panneaux. Parce que, tu sais, je viens de faire 120 dates dans toute la France, c'était dans la bagnole tout le temps. Et alors, il y a des panneaux sur la route, tu sais, qui sont, bon, on peut pas mettre ça dans un spectacle. Je sais pas si vous avez vu, en France, toutes les 30 bornes, t'as un panneau passage de serre. Déjà vu ça, c'est passage de serre. À tel point que moi maintenant j'ai peur de prendre ma bagnole, toi. Je dis un jour je vais me prendre un serre en pleine gueule. Hein. Bah, d'un autre côté j'en ai jamais vu moi de serre, hein, traverser la route. Même à mon avis même il y a beaucoup plus de panneaux qu'il y a de serres à mon avis, hein. Même que oui les 3-4 serres qui resteraient en France. Moi, je dis, à ce moment-là, il les mettrait sur une même route. À ce moment-là, on mettrait un feu rouge, et puis on ferait passer les cerfs. Comme ça, nous, on les verrait passer, puis ça serait plus sécurisant pour les animaux, c'est vrai, je veux dire. Il y a un autre panneau qui est pas mal aussi, c'est chute de pierre. Vous l'avez tous vu, ça aussi. Chute de pierre. Tu sais, t'as la falaise qui est là, avec la route en dessous, chute de pierre. Alors là, il y a deux solutions. Ou alors, tu te prends un rocher de 400 kilos sur la gueule, auquel cas, t'es mort. Hein. Et là, on pourra toujours dire, bah, on l'avait prévenu qu'il y avait des chutes de pierre. Ou alors, tu te tâtes. C'est pour ça, souvent, tu vois une bagnole qui est garée près du panneau. C'est un gars, il demande à sa femme, il dit, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des chutes de pierre. On bousille les vacances. Régis, puis à la fin, souvent, le gars, il demande à sa femme, il dit, baisse ta vitre et puis guette si jamais il vient à une heure. Non. Bon, alors, tu vois, des tas de trucs comme ça, donc on peut pas mettre dans un spectacle, vous rendez bien compte, hein. Alors, je dis pas tout, parce que, disons, il y en aurait pour des heures, tu vois. Ah oui, ça, c'est dommage, t'es vachement bien, ça. Là, j'avais fait un sketch formidable, je vous explique, il y avait deux hélicoptères en flammes qui s'écroulaient ici, à l'arrière de la scène. Et puis, alors là, il y avait un porte-avions immense qui arrivait comme ça jusqu'au milieu. Et puis là, il y a un iguane géant qui sautait sur le plateau avec une queue énorme. Il balayait tout comme ça, il pondait des œufs. Comme ça. Il est claqué contre le mur. Il y a des poussins qui sortaient des œufs, qui faisaient Prosper, youp, la boum. Et à ce moment-là, il y avait des girls entièrement nues qui passaient 150 girls. Elles passaient comme ça, faisaient gadou, dou, dou, tout comme ça. Et puis là, il y avait un vieux chef indien qui arrivait comme ça tout seul. Et puis au dernier moment, il levait la main comme ça, et il me disait, on m'a appelé. Non, mais attendez. Parce qu'il s'appelait Agadou, l'Indien. Bon, puis finalement, on ne l'a pas mis. Non, parce qu'on n'avait pas trouvé les plumes pour l'Indien. Enfin, si, on avait trouvé des plumes, mais c'était des plumes synthétiques, toi, c'était moche comme tout, donc hop, on a foutu la chute. Voilà, tu as plein de trucs comme ça, tu vois, non. Alors bon, tu vois, je feuillette. Oui, tiens, ça, je tombe là-dessus, ça, c'est les conneries à Gégé. Alors, Gégé, c'est un pote, hein. Reviens, tu me dis. Reviens pas. Bah alors, non, je disais ça, c'est des conneries. Reviens pas. je disais, c'est des conneries à Gégé. À Gégé,
C'est vrai que c'est un déconneur, tu fais rigoler tout le monde. D'ailleurs, les gens autour de lui, ils disent, ah ben toi, Gégé, avec toutes tes conneries, tu pourrais faire un spectacle avec. Ouais. Non, mais il est drôle, hein. Non, c'est parce que, tu vois, par exemple, le jour où on sort du resto avec Gégé, bon, il était minuit et demi, tu vois, par là, moi, je regardais les étoiles dans le ciel. Parce que c'est là qu'il y en a le plus, hein, quand même. Et alors, si, notez-le, quand même, ça. Et alors, j'ai les étoiles, et je dis, Gégé, à ton avis, c'est Mars ou c'est Jupiter qu'on voit là-haut? Tu sais ce qu'il me répond, le Gégé? Il me dit, je sais pas, je suis pas du quartier. Ah bon, je veux dire, maintenant, est-ce qu'on peut faire un sketch avec ça? D'accord. Et puis alors, qu'est-ce qui me sort encore le Gégé l'autre jour? Parce qu'il est redoutable, Gégé, parce qu'il invente une blague tous les jours. Toi. Alors le jour, il me pousse du coude, il me dit, écoute, celle-là, elle est bonne. Il me dit, j'ai un copain qui vendait des rideaux de fer, ça marchait pas, tout le monde croyait que sa boutique était fermée. Alors pareil, je veux dire, hein? Est-ce qu'on peut faire un sketch avec ça? Je sais pas. Et puis bon, si je mets les conneries à Gégé, faut que je mette les conneries à Nono. Ah ben, elles sont tout le temps fourrées ensemble, ces deux-là. Alors le Nono va me faire une gueule comme ça, sinon. Alors lui, le Nono, le jour, il rentre dans le bistrot, et il y a un de ses potes, il dit, dis donc, Nono! Je crois bien que le Congo belge, ça touche l'Australie. C'est ce qu'il répond le Nono. Il dit, ça touche, faut quand même vachement bien plier la carte. Alors pareil, hein. Et, hein. T'es pas. Et bon, si on met toutes les conneries des copains, on n'est pas sorti du bistrot, je te le dis, toi. Ça va durer des heures, toi, le truc. Puis à la fin, l'ambiance, ça va finir par retomber, toi. Vers le bas. Non, je dis vers le bas. Non, parce que ça, faut préciser, c'est depuis que Newton a découvert la gravitation universelle. Ben oui, parce qu'avant, les pommes, elles étaient cons. Ah ben, elles savaient pas où tomber, les pommes. Hein, Ah ben, il y a des pommes qui tombaient vers le haut, d'autres sur les côtés. Ben, c'était un bordel avant Newton. Hein. Ah ben, avant Newton, tu passais à côté d'un pommier, tu faisais gaffe, tu vois, de pas te prendre une pomme. Puis après, il aura bien expliqué à toutes les pommes. Hein. Je crois qu'on peut dire, hein, maintenant, elles tombent pratiquement toutes vers le bas. Hein. Et puis, c'est plus pratique pour nous, pour les ramasser, faut reconnaître. Hein. Ben oui, parce que va ramasser une pomme qui tombe vers le haut, toi. Ah ben, lave-la-bas, la pomme, hein. Tu peux courir, hein. Ou alors, il faut être là juste quand elle se décroche. Hop, tu l'as, toi. Oui, sinon, faut l'attendre avec une épuisette, comme ça, toi. Oui, ou alors, faut envoyer un copain en deltaplane. Et puis, dès qu'il arrive au-dessus, toi, tu secoues un peu le pommier. Mais enfin, l'autre, bon, l'autre, faut quand même qu'il conduise. Et puis, dis donc, voilà les pommes qui arrivent, alors... Ça peut être dangereux, hein, si c'est hyper... Bon, je vais m'arrêter là. Moi, parce que j'ai deux archéologues qui sont prêts à se tirer une balle dans la tête, dans le fond. Non, j'ai dit, oh, tu vois, tout ça, des trucs qu'on peut pas mettre dans le spectacle. Hein. Tiens, ça, trop loufoque, là. Alors là, les gens, ils y auraient même pas cru. J'avais imaginé faire l'entrée des taureaux dans l'arène. Alors, tu sais, il y avait le taureau qui était vachement inquiet, tu sais, qui était comme ça, quoi. Ah ben, si on l'a fait, je suis con, si. Ah oui, c'est ça que mon blaireau, là, il a pas vu, voilà. Et ben, il va vous expliquer, les gens, là. Alors, tu vois, bon, ben, là, t'as le truc là-dedans, on va pas s'éterniser, hein. Tu vois, là, il y avait un truc sur l'archéologie, on l'a viré, Tu vois, il y avait plein de trucs qui étaient très sympas, là-dedans. Oui, tiens, ça, je cherchais. Un truc formidable là-dedans, c'est les proverbes chinois. Vous savez que les Chinois sont très forts, question proverbes. C'est toute la sagesse populaire chinoise, hein, mon Dieu, qui passe au travers des siècles. Comme ça, c'est beau. Hein, c'est vrai que nous, on se sent pas grand-chose à côté. Tu vois, les Chinois, comme proverbe, par exemple, ils disent « Une de perdue, une de perdue. » Et ça se vérifie tout le temps, tu peux y aller, toi.
Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Ah ben, les Chinois, ils le disent, hein. Ils disent bien, ils disent, faut pas vendre la peau de l'ours. Non, faut pas la vendre. Femme à lunettes, femme à lunettes. Ah puis tu peux y aller, ça a 3000 ans, regarde, il y en a partout. Tiens, regarde, là, il y en a une là-bas, tiens. Tiens, là-bas aussi, regarde, partout, tiens, là aussi, là, là. Alors, je suis sûr, ils sont décontractés, les Chinois. Hein. C'est qu'eux, à table, hein, ils te disent dans la conversation, hein, ils te disent que ça, ils disent, rien ne sert de courir, ça sert à rien du tout. Et j'en ai trouvé un autre, un très vieux et très beau, qui dit ça, écoutez bien, qui dit, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, hein, quand même. Et c'est pas con, c'est vrai. Alors, dans le même genre, un truc, un sketch, je me souviens que j'avais écrit avec mon ami Pierre Palmade. Alors, c'est un sketch, on l'a arrêté tout de suite parce qu'il marchait pas du tout, c'était le bide total. C'était une espèce de sketch, comment dire. Il y avait, toi, moi je me mettais là, il y avait une ambiance un peu bleutée. Charles, tu peux me faire ça? Voilà, toi, un truc bleu comme ça avec le plein feu. En moins, voilà, voilà, c'est à peu près comme ça. Et alors, le sketch, ça démarrait comme ça, ça faisait... J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Ah. Alors, faut quand même savoir... Il y a un gars qui s'est cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout, pour arriver à la conclusion suivante. On a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Bah oui, parce que moi, je suis pas curieux, hein, mais j'aurais quand même bien savoir comment il a fait, le gars, pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Ben oui, parce que admettons que le gars soit très copain avec une bande de chauves-souris enragées. Si, tu vois, il les connaît depuis longtemps. Il les a déjà dépannées quand elles étaient dans la merde. Tu vois, elles lui doivent tout, elles lui cachent rien, mais bon. Moi, je dis que c'est un peu facile de foutre les jetons à tout le monde avec finalement la seule chance qu'on a de se faire mordre en occultant volontairement, excusez-moi du peu, les 9 999 999 autres chances qu'on a de ne pas se faire mordre. Donc, de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Ben oui, parce que moi, je vois, j'habite dans le 10e. Bon, déjà, le 10e, c'est un quartier, question chauve-souris, qui est assez tranquille, faut connaître. C'est tranquille. En plus, j'habite au 5e sans ascenseur. Je veux dire, j'ai un code à la porte en bas et un interphone. Alors, je veux dire, la chauve-souris, elle peut toujours se pointer. Bon, mais admettons, arrive une chauve-souris enragée. Elle bave, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, le trifouille, elle cherche. Si, monsieur, quand elles sont enragées, elles cherchent quand même, hein. Voyez, elle cherche. Pan ! Elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un petit peu bourré la veille, j'ai pas bien dormi, c'est pas ça la question. J'ouvre. Faut qu'elle pousse la porte. Dis donc, c'est grand comme ça, une chauve-souris. Bon, mais admettons, elle arrive à pousser la porte. Vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les 5 étages à pied comme ça, ça se faire repérer par quelqu'un. Non, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Bon, elle arrive sur le palier.
Qu'est-ce qui prouve qu'elle va frapper à ma porte? Et il y a 4 appartements sur le palier. Bon, elle frappe à ma porte. Bah, j'ai pas le pot, hein, jusqu'à maintenant, hein. Parce que là, manifestement, c'est moi qu'elle veut mordre, hein. Ah bah là, elle m'a choisi dans l'immeuble, elle veut plus mordre personne d'autre, c'est moi. Bon, je vais jusqu'au bout, j'ouvre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va me sauter tout de suite à la gorge pour me mordre? Dis donc. Elle est pas un petit peu fatiguée, cette chauve-souris, depuis tout ce qu'elle a fait tout à l'heure? Hein, elle a peut-être soif? Bon, ben moi, je l'installe dans la banquette. Je fais mine d'aller y chercher un verre d'eau dans la cuisine. Qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil? Ben alors, parce qu'elle se méfie pas, c'est quand même qu'une bête, hein? Alors j'y tire dessus, même si je la loupe, ben elle a peur, et puis elle s'envole par la fenêtre. Alors qu'il arrête l'autre et ses chauves-souris, là. En plus, c'est dangereux, ce mec-là, hein? Imagine, j'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Eh ben, j'y tire dessus. En fait, moi, j'ai des copains qui viennent chez moi déguisés en chauve-souris pour me faire rigoler. Alors qu'il arrête l'autre, là, ce chauve-souris, hein. J'ai peur des chauves-souris. En revanche, un truc qui marchait formidablement bien, et c'était des sketchs, j'allais dire, c'est les briefings qui m'ont rendu célèbre, j'allais dire, des briefings que j'écrivais avec mon autre ami Laurent Baffy. Et alors là, ça marchait du feu de Dieu, tu vois, c'était l'époque du café-théâtre, du point-virgule, tu vois, c'est-à-dire, ça fait drôle de voir ça sur la scène de l'Olympia, tu vois, à l'époque, on faisait rire avec une casquette, un bonnet, un bout de moquette, un foulard, on n'avait pas beaucoup de pognon à l'époque, hein. Ça va beaucoup mieux, hein, maintenant, hein. Non, je vous le dis, parce que... Non, vous imaginez pas tout le pognon que vous me donnez, d'ailleurs. C'est énorme, hein. Non, mais j'en profite pour vous remercier, je veux dire. Si, non, mais sincèrement, je vous remercie, je veux dire. C'est vrai. Alors donc, c'était les revues, je dis l'époque du point-virgule. C'est formidable, entre le point-virgule et l'Olympia, c'est un peu les deux extrêmes. Et faut aller au café-théâtre, faut aller au point-virgule. C'est là que les artistes démarrent. Là, je vous encourage à y aller. Le point virgule, c'est rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le 4e. Alors, pour ceux qui connaissent le quartier, en plus, c'est un quartier qui est très, très gay comme quartier. Très gay, G-A-Y, hein, oui. Si tu veux, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, tu laisses tomber un truc par terre. Il faut le ramener au pied jusqu'à la rue des Archives. Hein, tu ramènes comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai laissé tomber mon truc. Et arrivé rue des Archives, tu te mets contre un mur comme ça, puis tu le ramasses comme ça, le truc. C'est des coups à en prendre un coup. Alors, ça, c'était à cette même époque, d'ailleurs. Ce qui était rigolo, c'est que tous les gens finissaient la première phrase des briefings qu'on faisait avec Laurent, parce que la première phrase était tout le temps identique. J'ai marré tous les briefings en disant, les gars, j'ai pris des notes, je les ai réunis, parce que ça va pas. Ouais, ils le font encore, les gens. Alors, on va en faire 5 ou 6, en commençant par notre briefing préféré à Laurent et à moi, parce qu'il a donné naissance à tous les autres. Ça se passe à la mi-temps d'un match de foot, ça s'appelle Bravo les mecs. Ah bah bravo les mecs, 9-0 à la mi-temps, c'est vraiment hardcore. Alors si vous continuez comme ça, on va tous se retrouver en 3e division avant même la fin du premier match. Alors j'ai pris des notes, ça va pas du tout, j'ai commencé par toi Robert. Dis donc, Robert, c'est pour me faire chier que tu as marqué un but contre ton camp, Robert. Je t'écoute. Tu n'as pas fait exprès. Tu t'excuses. Ah, tu voulais passer la balle au gardien. Hein? Ben, c'est tapé ça une passe, toi. Tu l'as fusillé à bout portant, mon vieux. Bon, on en reparlera, Robert, on en reparlera. Alors, quant à toi, mon petit Gérard... Robert, j'ai dit on en reparlera, Robert, hein. Mon petit Gérard, les rares fois où tu as touché la balle,
tu l'as toujours donné à Minovitch. Ça te semble normal, ça, Gérard? Mais je me fous que ce soit ton beau-frère, Minovitch. Je te rappelle que Minovitch, il joue contre nous, Gérard. Il joue dans l'autre équipe, Minovitch. Comment ça, personne te l'a dit? Non, mais c'est pas possible, je rêve. Bon, alors Alain, tu ne connais personne dans l'équipe adverse. Alors Alain, tu remplaceras Gérard pour la seconde mi-temps. Alain, je sais que tu as encore ton plâtre, mais tu remonteras ta chaussette et personne ne le verra. Et puis souvenez-vous les mecs, 9-0, c'est pas perdu. Alors on les aura, notre Dieu, on les aura. Va. Alors. Bon. Alors pareil, Maurice, s'il te plaît, tu déchausses pas pour aller boire un vin chaud. Maurice, tu restes ici parce que j'ai à vous parler. Alors, j'ai commencé par toi, Jacqueline. Jacqueline, je sais que tu n'es pas la reine du tire-fesse, Jacqueline. Hein? Mais quand tu tombes, lâche la perche, Jacqueline, s'il te plaît. Hein? Oui, parce qu'à chaque fois, tu te fais tirer sur plus de 500 mètres, Jacqueline. Et puis, grosse comme tu es, tu fais des tranchées dans la piste, Jacqueline. Alors ici, on est à Courchevel. Depuis que Jacqueline est arrivée, on se croira à Verdun. Alors, arrête un peu, Jacqueline. Hein? Bon, pareil, Momo. Il est où, le Momo? Momo, ouais, il est là, Momo, voilà. Alors, Momo, lui, et ça serait pas tellement le tire-fesse, ça serait plutôt le télésiège, lui, Momo. Lui, Momo, ce matin, il a encore fait 6 tours sans descendre. C'est pas un manège, le télésiège, Momo. Je te rappelle, on aurait cru une valise abandonnée sur un tapis d'aéroport. Et encore, monsieur a daigné nous rejoindre parce qu'on a menacé de le descendre à la chevrotine, tu vois. Sinon, il tournerait encore. Moi, j'ai dit un truc, Momo. Je préfère encore que tu tournes là-haut que quand tu skies avec nous, Momo, toi. Et bien, parce que mon pauvre Momo, non seulement tu ne sais faire que le chasse-neige, mais en plus, tu te crois obligé d'imiter le bruit du moteur. Tu sais. Alors, tu sais, Momo, skier toute la journée à côté d'un demeuré qui va à 2 à l'heure en faisant... Ben, j'en peux plus, Momo. J'en ai ras-le-bonnet, Momo. Ras-le-bonnet. Alors... Bon, les gars, arrêtez de gueuler qu'il n'y a rien à bouffer ici. Ici, on n'est pas au club Méditerranée. Ici, c'est un stage de survie, OK? Alors bon, Charles-Édouard, déjà, tu remballes ton carnet de chèques et tes cartes bleues, mais ça ne sert à rien du tout ici, Charles-Édouard. Bon, alors, Michel, déjà, je voudrais vous dire, les enfants, bordel, la nourriture est partout autour de vous, hein? Je vous dis déjà, regardez. Tiens, Michel, juste derrière toi, tu as des pissenlits, Michel. Eh bien, tu les ramasses parce que c'est très bon. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu viens de pisser dessus? Fous de ma gueule, Michel, ou quoi? Ils l'ont déjà hier, Michel, tu m'as fait caca sur un rond de champignons comestible. Bah, Michel, on se demande si tu vas nous pourrir l'existence pendant longtemps encore, Michel. Bon, de toute façon, rassurez-vous. J'ai repéré un coin à chenille tout à l'heure, donc on mourra pas de faim ce soir. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Josiane? Quoi, ça te dégoûte? Mais c'est très bon, les chenilles, Josiane. Ça croque sous la dent, le jus est délicieux. En plus, tu verras, c'est nettement meilleur que les punaises qu'on a mangées hier. Tu vois, c'est... Si, c'est plus énergétique. Par contre, un truc qu'il faut absolument éviter, c'est de manger les petites boules bleues, la Mireille recrache les boules bleues. T'as déjà tout avalé? Tu peux crever avec ça, Mireille, hein? Je t'en ai prévenu, Mireille. Bah, alors... Bon. Alors, j'ai déjà vu des camps de nudistes, mais alors, des comme ça, jamais. Alors, j'ai commencé par toi, Charlie. Charlie, je voudrais que tu mettes un cache-sexe à partir d'aujourd'hui, Charlie, hein? Oui, je sais que tout le monde est à poil ici, mais toi, j'aurais que tu mettes un cache-sexe, et puis c'est tout. Eh bien si, Charlie, mais Charlie, tu te rends pas compte, t'as un bazar qui est tellement énorme, Charlie, hein. Charlie, tu nous laisses des empreintes dans le sable. Hein? Tout le monde nous demande s'il n'y a pas un kangourou en liberté dans le camping. Alors, Charlie, tu mets un cache-sexe et puis c'est tout. Ah. Alors, un autre truc, Jeannot. Jeannot, je veux plus que tu amènes ton chien sur la plage, Jeannot, hein. Non, tu le laisses au bungalow, tu l'amènes plus. Non, Jeannot, ton chien, ma femme, l'a eu au cul toute la journée d'hier. Elle a fait que ça de chasser ton clébard. Alors, si tu crois qu'elle a pas assez à faire comme ça avec les mouches...
Non, non, attends, 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 attends. Rallume, Charles, rallume, rallume, rallume. Attendez, 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 attendez. Non, non, là, j'ouvre une petite parenthèse. Là, c'est vulgaire. Là, même moi, en le lisant, je me rends compte que... Non, non, là, s'il y a des journalistes, même, vous pouvez le noter, vraiment, on dit là, c'est... Là, c'est vulgaire, on n'a pas le droit de faire... Je veux dire, là, on suppose qu'elle a des mouches collées sur les escalopes, je veux dire, c'est pas... Ah, bref, c'est ça. Quelles que soient les mouches, hein, soit des mouches à merde ou des grosses bleues et tout, je dis, là, c'est vulgaire. Donc là, je vous demande d'oublier ce passage. OK? Merci, mesdames et messieurs. On reprend, Charles, on reprend. Alors, ça va pas non plus dans ce commissariat, Charpentier. Je sais que tu es nouveau ici, Charpentier. Alors, laisse-moi te rappeler un truc. Charpentier, tout ce qui est basané n'est pas forcément mauvais, Charpentier. Ben, je dis ça parce que c'est le troisième ambassadeur arabe que tu nous passes à tabac cette semaine. On va finir par avoir des ennuis avec toi, Charpentier. Pareil, Garnier. Garnier, je veux bien que tu te déguises en voyou. Ou en clodo, ou n'importe quoi, pour espionner les autres. C'est vrai qu'on en a attrapé quelques-uns grâce à cette méthode. Alors, s'il te plaît, Garnier, débranche le takiwalki de ta musette, Garnier. Ah oui, mais c'est beau dégueuler partout sur le trottoir pour faire plus vrai. Quand on entend dans ton sac « Zébra 3 appelle Cougar, Zébra 3 appelle Cougar », eh ben, je te garantis que t'es tout de suite repéré, Garnier. Bah oui, tu te fais casser la gueule à chaque fois, là. Arrête, Garnier, hein. Alors là, vous allez voir, des fois, on n'a qu'un seul accessoire pour deux sketchs. Ça tombe bien, c'est pas très éloigné. Alors... Ben c'est vrai, c'est presque les mêmes casquettes. J'y ai pour le fond, c'est marqué Zoho. Hein? C'était marqué police avant. Hein? Alors, les animaux, on n'a pas fait un rond cette semaine, ça va pas, je vous ai réunis, j'ai commencé par vous, les singes. Les singes, vous croyez qu'on sait pas ce que vous faites avec les guenons, les singes? Eh ben alors, vous cachez pas, restez à l'extérieur, les singes. Les gens, ils viennent que pour ça. Ben alors, ça éveille les petits, ça excite les adultes et ça rappelle des souvenirs aux vieux. Alors faites-le, les singes, hein. Bon, pareil, les lions. Dis donc, les lions, ça vous arracherait la gueule de rugir un coup de temps en temps, les lions. Surtout quand on vous amène la bidoche. Dis donc, dites pas le contraire, j'étais là quand on vous a amené le bœuf hier, on serait cru à un dîner chez les Rothschild. Non, non, allez-y, je vais prendre le petit morceau qui est derrière. Non, non, je suis pas pressé. Ouais, les lions, on pourrait y rugir un coup de temps en temps. Pareil, les phoques. Vous croyez que c'est un exemple pour la jeunesse, les phoques? Signal, ça fait 2 ans et demi, vous n'êtes pas reproduits, les phoques, hein? Oui, bien, vous irez vous plaindre dans le jupon de Brigitte Bardot, après. Pareil, les éléphants, vous avez des crampes dans la trompe, les éléphants, ou quoi? Quand on vous tend des cacahuètes, prenez-les, nom de Dieu! Vous savez combien je touche sur un paquet de cacahuètes, moi? 3,50 €. Ben oui, ben c'est pas avec le chiffre d'affaires que vous m'avez fait la semaine dernière qu'on va refaire le crépi de la cabane d'entrée. Non, c'est vrai, les animaux, je me mets en quatre pour vous et vous me traitez comme une bête. Et voilà le travail. Ah. Bon. Ah là, maintenant, j'en vois déjà 2-3 qui commencent à regarder leur montre. Et puis qu'ils se disent, dis donc, et notre bilan? Il avait dit qu'il ferait un petit bilan. Alors on va faire un bilan important pour deux trucs. Premier truc, la politique, il en manque. Puis là, vous avez vu, on est en plein dedans, hein, en ce moment. Et on n'en a pas du tout parlé dans le spectacle. Et moi, je dis que le comédien, sur scène, l'artiste, moi, je dis qu'il faut qu'il ait les couilles de dire ce qu'il pense. Bon, là, ça vous semble énorme, hein, mais... C'est pour que les gens du fond y voient, hein. Je peux pas non plus leur montrer les trucs... Bon, alors, okay. Vous savez quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à Hulk. Tu sais, l'incroyable Hulk. Tu sais, vous avez tous vu cette série, tu sais, quand il fait mal, il devient tout vert, il grandit de 50 cm, et la chemise qui explose et tout, le pantalon, il est tout frangé en bas, il arrive là... Puis ici, ça bouge pas d'un poil, ici. Toujours un petit 38, normal. Tu vois, j'imaginais l'inverse, moi. Il a toujours des petits bras, des petites jambes. Puis dès qu'il marche un coup sur les arpions, il sort une grosse quéquette verte, comme ça, avec deux grosses roubignoles. Ah, fais pas chier, là.
Ah, mais... Imaginez comme ça. T'imagines, Hulk, qu'il est en train de danser avec une gonzesse, tu vois. D'un coup, elle lui marche sur les arpions. Tac ! L'hôtesse s'en va accrocher au lustre. Qu'est-ce qui se passe, Raymond ? Ah, fais pas chier, merde. Viens voir, frère. Après, on va faire une version, c'est genre Alien, le retour, c'est. Et ta, et ça, et ça, et ça. Et après, il y a plein de petites bêtes qui poussent dans le machin, faut pas. Alors, non, je disais, c'est à propos de la politique. À propos de la politique, je disais, c'est vrai qu'il y a des moments, il faut avoir les couilles de dire ce qu'on pense, et puis il faut rester dessus. Là aussi, c'est une image, hein. Quitte à se mettre des gens à dos. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense en gros de la politique. Ce que je pense, c'est que, vous avez vu, j'invente rien en France, ça marche comme ça depuis longtemps. À gauche, il y a les gentils, puis à droite, il y a les méchants. Alors, ma position à moi, elle est claire, hein, c'est que quand on sait qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, être un enculé. Bon, si le mot enculé vous gêne, on peut dire autrement, hein. On peut dire un gars qui se laisserait aller à des malversations, ou qui gaulerait un peu de pognon pour protéger un pote avec une fausse facture de... Enfin, on va dire reculer, hein. À mon avis, on va gagner du temps. Voilà. Moi, je dis que quand on sait qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, être un enculé, eh ben moi, je dis qu'à ce moment-là, vaut mieux être un enculé de droite qu'un enculé de gauche. Voilà, et alors inévitablement, au bout d'une dizaine de secondes, il y a quelqu'un qui fait « Ah bon, roi !» Et puis des fois, il est remonté, le gars, hein, il fait « Ah bon, roi !»« Ah bon, roi !» Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est rigolo, ça. Je vous en refais un petit, si vous voulez. « Ah bon, roi !» Ah, parce que l'enculé de droite, lui, il a un petit peu prévenu au départ. Ben oui, il s'est mis dans le camp des méchants. Ah bah oui, tu vois un gars de droite arriver derrière toi, tu serres les fesses, tu dis « Attention, ce gars-là, il risque de m'enculer, et puis méchamment !» Par contre, tu vois un gars de gauche arriver. Toi, t'es complètement détendu. Bah oui, le gars, il est dans le camp des gentils. Et puis le mec, il arrive et pan, il t'encule quand même. Et ben moi, je dis qu'il te la met beaucoup plus profond du fait que t'étais détendu. Voilà. Est-ce que je pense ? Ben, petit. Alors, vous savez que... Alors, évidemment, ça fait un an et demi que je dis ça, peut-être même un peu plus, et vous savez que je suis passé au journal officiel à cause de ça. Hein. Il y a Kiechmann à l'Assemblée nationale, il a dit, c'est une honte, on n'a pas le droit de laisser un gars traiter la classe politique de sodomiser de gauche et de sodomiser de droite. Il avait dit, pour faire plus poli. Et ce qui n'est pas plus poli du tout, d'ailleurs. Hein. Ce qui est enculé, la définition dans le dico, c'est marqué « terme d'injure grossière » pour marquer le mépris que l'on a de quelqu'un, alors que sodomiser, donc là, vous voyez qu'il n'est pas question de coït anal, ni de... alors que sodomiser, c'est la bistouquette dans le trou de balle, c'est très moche, faut pas dire ça à l'Assemblée nationale. Alors, c'est ce que j'y avais répondu, en tout cas. Enfin, on avait bien rigolé, en tout cas, on parle de moi à l'Assemblée nationale, je m'entends vous dire que... Toi, ma femme me cause autrement maintenant, toi. Même la chienne, elle le sent, tu vois, elle est... Et alors, donc, vous savez, alors maintenant, évidemment, un an et demi plus tard, j'ai l'air de tirer un peu sur l'ambulance. C'est pour ça que je vais préciser un petit truc. C'est un truc qui m'a fait rigoler l'autre jour, à propos de la politique. Ça m'a fait rigoler parce que c'était la première fois que je l'entendais, ce truc-là, du fait que c'est moi qui l'ai trouvé, hein, le truc, hein. Et alors, donc, ce qui me fait penser qu'à gauche, ils sont peut-être plus gentils, c'est que c'est vrai qu'ils magouillent autant que la droite, mais il faut quand même reconnaître qu'ils se font plus souvent gauler, quand même. C'est vrai. Et puis ils le disent, hein, ils disent « Oui, oui, c'est nous, on a fait péter le bateau, les fausses factures, ça c'est... » Donc ils le disent. Donc voilà. Non, je dis ça parce que je ne voudrais surtout pas vous influencer.
Hein, parce qu'ils sont tellement drôles à gauche et à droite. C'est pas mon boulot, moi, de... Vous savez, vous avez vu, d'un côté, il y en a un, il paye ses dettes en vendant ses bibelots, quand même. Et puis, de l'autre côté, il y en a un, il achète une maison 20 fois moins chère, il fait les travaux tout seul, tu vois. Il... Ben, c'est quand même là-bas, là. Alors, ben bref. Voilà. Ça, c'était pour la politique. Le deuxième point que je voulais aborder dans mon bilan, là, c'est important. Je dirais que c'est plus important, hein, parce que c'est que les problèmes, maintenant, sont planétaires, on peut dire, et c'est... Le deuxième point que je vais aborder, c'est la grande cause. C'est qu'il est hors de question, en plus, de nos jours, hein, de faire un spectacle digne de ce nom, sans bien préciser à tout le monde qu'on est prêt, alors là, à mettre tout son talent, tout son cœur, tout son pognon, un peu moins le pognon, c'est vrai, au service d'une grande cause. Ça, c'est important. Alors, pas facile, parce que moi, j'ai demandé à la réunion des comiques, hein. Ah oui, je leur ai dit, les gars, ça marche pour moi, j'aurais bien des fois d'une grande cause. Le sida, les myopathes, la faim dans le monde. On m'a dit, attends, on dit, oh. On dit, ça, c'est des gros morceaux. Toi, tu viens d'arriver, tu nous les laisses, s'il te plaît. Alors, j'ai dit, bon, bah, j'ai dit, d'accord, j'ai dit, il me reste quoi, moi, alors, l'écologie? Pfff, genre, bon, j'ai rien contre l'écologie, hein. Non, non, au contraire, hein, même, je dirais même mieux, avec ma femme, on est plutôt écologistes, nous. Je dis avec ma femme, parce que vous voyez, nous, on a longtemps hésité, par exemple, entre un bébé et un chien, avec ma femme, et puis finalement, on a acheté une plante verte. Donc, il faut dire que, hein. Alors bon, évidemment, c'est moins agressif qu'un berger allemand pour garder la maison, hein. Quoique la nôtre n'est pas commode, hein, quand même, hein. Oui, ah, nous, notre plante, c'est qu'il faut lui parler, hein. Puis elle a ses têtes, hein. Je te jure, hein, c'est la femme de ménage qu'elle aime pas. Faut dire, l'autre, elle l'asperge avec du plise aussi, elle viendra se plaindre. Non, mais je te jure, hein, on l'emmène partout. Au cinéma, ça va, c'est au restaurant qu'elle est chiante. Ah, Pierre, faut pas qu'elle en croise une autre, hein. Et on, l'autre jour, elle s'est trouvée néné qu'un glaïeul, hein. Et j'ai cru que ça allait partir, hein. Alors, on l'emmène partout, hein. On l'emmène en week-end, ben, on la sort de son pot. Elle va pas bien loin. Mais on sent qu'elle voudrait. Et elle s'est dit complètement demeurée, ce garçon. Non, bien sûr, je déconne. Bien sûr qu'avec ma femme, on préférerait avoir un enfant, pour tout dire. Bon, ce qu'il y a, c'est que, bon, ma femme a un problème. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, d'ailleurs. Bon, si vous voulez, on a retiré une trompe à ma femme. Bon, moi, on m'a laissé la mienne, hein, donc... Normalement, ça nous laisse une chance, hein, il a dit le docteur, mais alors on va être obligé de faire in vitro, toi c'est chiant, alors, moi, toi comme les coupes modernes, alors moi j'étais obligé d'aller faire un spermogramme, moi déjà pour aller compter ça, c'est dur, hein, je veux dire, j'ai été, hein, c'est vrai, on a, bon, j'arrive au spermogramme, là, bon, l'infirmière, elle me donne une éprouvette, bon, bah oui, je veux dire, alors elle me dit, allez dans la pièce du fond, alors bon, elle dit, allez-y avec votre femme, si ça peut vous aider, bon, alors on y... Bon, on arrive dans une pièce sordide, tu vois, hein, avec un vieux playboy de 73, tu sais, glissé sous le fauteuil de gynécologie, tu vois. Hein. Surtout un playboy de 73, j'aime autant dire, tu vois pas un poil, rien, les calbutes, ils se descendent jusqu'ici. Faut déjà avoir le moral, tu vois, c'est bon. Alors, on est passé par de ces trucs, hein. Alors, je souhaite ça à personne, je veux dire, hein, moi, je revois encore ma femme sortir de là en disant à l'infirmière... Mon mari a caché les crouguettes. Dans une autre crouguette. Mon mari a caché les crouguettes. C'est moche, hein. Ça, je le souhaite à personne, tu vois. Enfin bon, on n'est pas plus con que les autres, on va y arriver, hein. De toute façon, je vous tiens au courant, puisque manifestement, ma vie privée, ça vous intéresse. Putain, le sang-gêne des gens, c'est incroyable, ça. Bon, alors... Non, je disais, j'en étais à l'écologie. Excuse-moi, il y a un gros qui est parti. Vous l'avez pas pris, papa. Non, mais c'était un mâle, ils piquent pas, les mâles. Hein. Ils sont un peu plus gros, mais ils piquent pas. Studio Line, studio, tu vois. Et tu te mets quoi? Ben, je me mets au premier rang, puis après, je l'ai... J'ai essayé d'en donner à tout le monde, hein, je vous promets pas.
Non, je disais, j'étais à l'écologie. C'est là que j'étais, oui. Ah bon, alors je vais à l'écologie. Ah ouais, il y avait une liste d'attente de 20 personnes. Il y avait Marc Jolivet, il y avait Bernard Allaire. Pff. Non, moi je me retrouvais derrière Gérard Majax et Rico Zaraï. Je dis, attendez, vous n'avez pas un truc que je pourrais défendre tout seul? Ah, il me dit, si, il y a un truc qui tirait pas mal à toi, qui a déjà le vulgaire, t'as qu'à t'occuper des MST. J'ai voulu dire les chauds de pisse, les morpions, les mycoses. Ils m'ont dit, oui, oui, t'as qu'à tout prendre. Ah, je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit, t'en es bien tiré, chérie. Bah, je m'en suis bien tiré, oui et non. Et donc déjà, ils m'ont refilé le vulgaire pour un an. Et puis comme grande cause, bah, je me retrouve avec les chauds de pisse, les morpions, les mycoses. Ah, attention, je me défile pas, hein. Ah non, j'ai bossé dessus quand même, hein. Titi, bien bossé. Parce que j'ai trouvé un exemple qui est pas mal. Parce qu'il va pour les trois trucs. Si vous voulez, moi quand je sens que je vais avoir un rapport sexuel avec une jeune fille, j'emmène toujours avec moi un demi-citron. Ah, attendez, je vous explique comment ça fonctionne. Donc vous mettez 2-3 gouttes de citron sur la choupinette. Hein, et alors si les lèvres ne bougent pas, il ne faut pas y aller. C'est qu'elle n'est pas fraîche. Ou alors elle est morte, ou elle n'est pas vivante. Ah ben là, c'est des coups à attraper une MST, hein. Oui, ou du vinaigre avec de l'échalote, n'importe, oui. Ça marche aussi, mais ça, il faut que ça bouge, hein. Ah ben oui, ben moi, on me donne les MST. Dis donc, c'est ma grande cause, hein. Je la défends comme je peux. Voilà, alors maintenant les filles qui devaient se préparer tout à l'heure pour sauter nues du balcon, vous pouvez vous préparer tout de suite, parce que c'est maintenant le moment de la chanson. Alors, merci. Je vous remercie beaucoup, merci. La vache, il est balèze, hein, ce micro-là, putain. J'ai l'impression d'avoir une paire de couilles comme ça. Les couilles à Hulk. Bon, alors... Non, 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 laisse, c'est agréable, laisse. Donc c'est un peu vert, en plus. Alors, non, c'est pas le moment que je fasse le con avec vous, puisque je vais chanter une chanson, comme promis, une chanson qui était un petit peu triste, donc je vous demande un petit peu de silence. Je vous remercie d'avance, merci. Ben, je vous remercie. Toujours sympa. Non, sérieux, c'est une chanson qui est un petit peu triste, donc je vous demande un petit peu de silence. Je vous remercie d'avance, merci. Évidemment, il y a les décalés qu'on profite pour rattraper. Ils disent là, on a du temps, on va recoller au peloton. Non, on a un peu de silence, je m'assieds d'avance. Merci. Voilà. Bon, alors attendez, on va faire autrement. Parce que là, on va pas y arriver. Alors, foutez le bordel comme vous voulez, allez-y. Allez-y, foutez le bordel. Voilà. Voilà, très bien, voilà. Et puis moi, dès qu'il y a un trou, bah hop, je... Je vais m'enfiler dedans, voilà. On va dire, c'est moi, voilà. Non, non, je sais qu'il est un peu triste, je vais demander un petit peu de silence, je m'assieds d'avance. Non, ça va. Non, j'y vais de toute façon, j'y vais, ok? Hein? J'y vais de toute façon, ok? Non, ça y est. J'y vais de foutre le bordel et moi j'y vais de toute façon, ok? J'ai un peu de silence, je m'assieds d'avance. J'y vais de toute façon. Tiens. 3, 4. Bah, attendez, alors je vais compter, mais je ne dirai pas quand je démarre, d'accord? Si vous attendez, je dis 4 pour me chier le truc, c'est pas malin. Un peu de silence, merci d'abord. Je compte, je vous dis pas quand je démarre, et puis c'est tout. Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis même pas en rythme, toi. 32. Non, parce que je vais plus vite dans ma tête. 428. Par le cendrier plein. Je recommence. Un peu de silence, merci.
par le cendrier plein, vidé par la portière, par les crottes de chien, par les capsules de bière, par les papiers froissés, poussés par le blizzard, par les peaux de bananes jetées sur le trottoir, par l'huile des moteurs, par les bouts de cigares. Je vous salis ma rue. T'es vu? T'es pas vu? L'équilibre? Bien sûr, vous avez eu, mine de rien, en 45 secondes, un peu plus parce qu'on était retardé à cause des décalés, mais en 45 secondes, on vient quand même de rééquilibrer trois trucs. Le moment musical, l'hommage à Georges Brassens, il est mort il y a 11 ans, on l'aimait beaucoup, on l'aime d'ailleurs toujours beaucoup, et l'écologie, précisément, dont on parlait tout à l'heure. Alors, à tel point que, si on devait faire un bilan final, eh ben moi, je crois que ce serait vite fait, parce que, bon, tout ce qu'il fallait dire, je crois qu'on l'a dit, hein, tout ce qu'il fallait pas dire, je crois qu'on l'a dit aussi. Je voudrais vous parler maintenant de ce que je vais dire dans mon prochain spectacle. Ça, c'est un scoop. Eh bien, je vous le donne. Eh bien, mesdames et messieurs, mon prochain spectacle sera entièrement consacré à l'Europe monétaire. Ça vous convient? Et pourquoi? Ça vous convient pas, l'Europe monétaire? Non? L'écu? Oui, l'écu un peu plus, oui. Vous voyez, on dit l'argent n'a pas d'odeur, mais il faudra se méfier quand même, là. Sinon, les montants compensatoires, ça vous en foutez? Ok, non, non, bah... Non, mais n'en parlons plus, je veux dire, je... Fous, je... Non, je dis n'en parlons plus, parce que... Vous voyez, là, j'entends déjà les gens à la sortie dire... On a été voir Bigard, autant son nouveau spectacle, on a adoré, autant son prochain spectacle, on n'a pas aimé du tout. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je sais, merde, je sais pas, putain, je suis... Tu sais, il y a tout qui revient, les doigts, la règle et tout. Je suis intéressé. Non, oui, j'étais à parler de la sortie. Alors, puisque je parle de la sortie, il faut savoir que parmi vous, il y a deux catégories de gens. Il y a une première catégorie, heureusement, une immense majorité, hein, c'est toutes celles et tous ceux qui, au moment où le grand rideau rouge de scène va se fermer comme ça, qui vont hurler « Bégard, Bégard, Bégard !» Alors, évidemment, il y aura toujours un peu les décalés, hein, qui font « Garbi, Garbi, Garb !» et qui vont dire qu'ils sont contents. Et puis, à côté de ça, il y a une minorité de blaireaux qui, eux, à ce moment-là, vont être tentés de se barrer. C'est pour ça que je voudrais leur parler pendant qu'ils sont encore là. Parce que je les vois, mes blaireaux, hein. À la fin du spectacle, ils vont se lever, puis ils vont se barrer, puis ils vont rentrer chez eux, puis ils vont se coucher. Enfin, je dis qu'ils vont se coucher. Peut-être pas se coucher tout de suite, tu dis. Peut-être baiser avant, je sais pas. Ou peut-être qu'elle va juste lui éponger un coup le poireau. Ça sera... Enfin, ça, je sais pas, hein. Ça, c'est des habitudes à eux, hein. Donc, je... Je sais pas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, ils vont se coucher. Enfin, ça, je veux dire. Hein? Ah bah oui, quoique si elle a pas joui, l'autre, alors oui. Évidemment, alors, elle va peut-être y demander qu'ils descendent pour y brouter le minou, je sais pas, enfin... Enfin, il y a un moment, ils vont quand même se coucher, ces cochons-là, quand même. Bon, ils vont se coucher. Et puis, demain, ils vont se lever. Ils vont peut-être remettre ça, oui, c'est vrai.
on va pas faire que ça non plus. Je veux dire, il y a un moment, il va arriver au boulot. Et puis une fois au boulot, là, il faudra bien qu'il fasse des commentaires sur le spectacle. Vous aussi, d'ailleurs, hein. À un moment ou à un autre, vous serez bien obligé de faire des commentaires sur le spectacle. Alors là, un conseil. Allez pas vous embarquer dans des phrases compliquées. Moi, j'en ai une qui va très bien, je vais vous la donner. C'est celle-ci, c'est « Écoute, hier avec ma femme, on est allé voir Bigard. Hein. Pourtant, ce gars-là n'a pas un physique facile. Eh ben, mon vieux, pendant un moment, il était beau. » Allez, peut-être, si vous vouliez noter la phrase, peut-être. Écoute avec ma femme, virgule. Écoute avec ma femme, virgule. Hier soir, on est allé voir Bigard, virgule. Hier soir, on est allé voir Bigard, virgule. Pourtant, ce gars-là n'a pas un physique facile. Pourtant, ce gars-là n'a pas un physique facile. Eh bien, pendant un moment, virgule, il était beau. Eh bien, pendant un moment, virgule, il était beau, très beau. Et maintenant, un petit truc que je vous donne, mesdames et messieurs, pour savoir tout simplement que le spectacle est maintenant bientôt terminé. Eh bien, il y a un truc qui ne trompe pas. C'est quand on entend une musique qui démarre. Ça, c'est un petit peu comme dans les émissions de télévision. Quand on est en retard, vous avez déjà vu ça, eh bien, il y a le générique qui défile en dessous de l'écran. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Je voulais remercier quelques-uns de mes amis qui m'ont aidé tout au long du parcours, comme François Rollin, par exemple, qui m'a mis en scène au Palais des Glaces. J'ai remercié Palmade, Baffy, j'ai remercié Guy Lecluis, Jean-Noël Gou, tout ça. Et avant de vous quitter, je voudrais vous montrer deux ou trois petites choses. Tout d'abord, mes chaussettes, qui sont sympas quand même. Et puis, je voudrais remercier tous les gens qui travaillent ici sur le plateau. Et de Jean-Pierre Portelès, Jean-Pierre Bigard, Anne-Marie, ma sœur, Charles Caratini, Catherine Caratini, là-bas, à la régie, les petits placeurs, tous ceux qui puent de la gueule, ceux qui puent pas de la gueule. Avec un grand merci à mesdames Coquetterie, Jean-Michel Boris, et à mon producteur préféré, Jimmy Lévy. Je voudrais qu'on les applaudisse tous ensemble, très fort. Allez-y! Patron. Hey, c'est moi qui ai fait le truc quand même, hein. Et puis un dernier détail, mesdames et messieurs, pour savoir que le spectacle est maintenant vraiment terminé, et bien là vous pouvez pas vous bourrer, le spectacle est vraiment terminé quand le comédien y disparaît. Oh,
merci, 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 gentil, merci. Bon, je vais vous faire un petit rappel. Justement, j'ai un problème, c'est que la grosse connerie de la fin, je l'ai pas non plus. Et puis, à la fin, pas question de finir avec un truc en dessous, tu comprends? À la fin, faut toujours finir par un truc très très fort, tu vois, c'est important. L'autre, il fouille dans son nez, et là, il vient d'en choper un beau. Là, hey, mais je t'ai vu, je te signale. Parce que des fois, on se dit, oh non, il est trop loin, je l'aurai pas. On dit, je vais attendre la fin du spectacle, je l'aurai dehors. Il fait plus frais, il va durcir, je vais le choper tout de suite. Là, on a chopé un beau, il n'a pas voulu le lâcher. Vous l'avez eu finalement? C'était un garçon ou une fille? Sans gêne des gens. Et alors, okay, j'y en veux pas parce que c'est vrai que c'est agréable quand on en chope un gros quand même. Hein. Hein, on a tous des crottes de nez. Hein. Des fois on est là, on dit, oh vache, il est gros, il est gros, il est gros. Puis hop, il se casse en deux, on en a que la moitié des fois. C'est vrai, les crottes de nez, c'est comme l'épée, c'est pareil. Hein. Regardez, tout le monde fait des paix et on n'en parle jamais. Pourquoi? Ah bon, roi. On peut très bien le dire, tout le monde fait des paix et puis c'est tout. Je dis, tiens, on disait les ministres, les présidents de la République, le pape, il pète. C'est pour ça qu'ils le mettent dans une cage, d'ailleurs. Vous avez vu, en... c'est pour protéger le chauffeur, tu vois, qui lui peut péter de son côté, tu vois. Donc, c'est des bagnoles, on peut péter chacun de son côté, tu vois. Non, c'est vrai, je dis, tout le monde, on peut le dire, c'est pas ça. Je veux dire, vous, moi, tout le monde. Bon, là, le faites pas en même temps, hein. Chacun son tour, quand même, on s'arrange. Vous imaginez, si tout le monde pétait en même temps, la couche d'ozone, elle en prendrait un coup. Non, c'est vrai, et d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut dire sur le paix qui est important, là, je profite qu'on est entre nous. C'est que quand nous, on fait un paix, même s'il est immonde, on peut pas le sentir, tellement il pue, c'est une horreur. Eh ben, je vais vous dire un truc, c'est quand même notre paix. Un gros paix à nous qui pue, mais il pue moins que le petit paix d'un autre. Le petit paix d'un autre, il pue toujours plus. Et d'ailleurs, c'est très rare qu'on se barre d'un paix à nous. Hein. Des fois, on en fait un gros, les copains, ils font oh, « Salaud, qu'est-ce que t'as fait ?» et tout. Et nous, on est là, on reste dedans. On en est fiers. On en est fiers. C'est ce que je voulais dire. Il y a un autre truc que je voulais dire sur les paix, c'est vrai que des fois on est emmerdé avec les paix. Si c'est quand par exemple tu te retrouves au lit pour la première fois avec une jeune fille. Je précise pour la première fois parce qu'au bout de 6 mois de mariage on se pète dessus sans se... Hein. C'est-à-dire pendant les 6 premiers mois on se prévient encore un peu. On dit attention chérie je vais en lâcher un et tout. Mais après 6 mois c'est la guerre froide, on se tire dessus. Et tout. Alors là, c'est la première fois. C'est la première fois que t'es là. En plus, t'as complètement oublié d'emmener un demi-citron, t'es sur les nerfs. Et puis... Et alors surtout, t'as mangé un chili con carne 3 heures avant. Toi, t'avais pas prévu du tout, tu vois, parce que toi, t'avais dérapé 2 fois du coup de table. Tu t'étais dit, foutu pour foutu, autant que je mange quelque chose que j'aime bien. Toi. Et puis là, tu sens bien, voilà un paix qui arrive. Et puis, tu sens que c'est un velu, tu vois. Tu sais, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein, c'est chaud, et puis bon. Tu sais que celui-là, il est chargé avec une tête chimique. Il va faire très très mal, toi. Alors, pas question de le faire sous les draps, t'es repéré tout de suite. Alors là, il y a différentes techniques. Il y a la première technique, qui est la technique dite du chapelet. Alors, attendez, je vous explique comment ça marche, pour ceux qui ne connaissent pas. La technique du chapelet, dans un premier temps, vous serrez tout. Et alors après, vous essayez de distiller le truc perle après perle. C'est vachement technique, hein. Faut bien doser les ouvertures. On n'est pas à l'abri de l'accident. Surtout si la jeune fille, elle te dit « Passe-moi le cendrier qui est sur la table de nuit ». Toi, si peu qu'il soit un peu loin le truc. Et puis là, mon vieux, si ça part, t'as les décibels en plus. C'est la grillade complète. Donc, je vous la recommande pas trop.
Il y a une autre technique qui, dirons-nous, est moins périlleuse, celle-ci, qui consiste à passer la jambe par-dessus le drap, comme ça. Et alors là, vous adressez à la jeune fille assez fort, en toussant un peu au milieu de la phrase. Tu vois, genre, t'as des nouvelles de ton grand-père? Et puis c'est vrai que des fois, le truc, il remonte un peu contre le mur, et puis on n'en entend pas trop parler. La meilleure des techniques, ben, je l'avais gardée pour la fin, mesdames et messieurs, pour que vous repartiez avec quelque chose sous le bras. La meilleure des techniques que vous allez voir est toute mignonne. On n'y avait pas pensé. Il suffit de dire à la jeune fille, tu dis, écoute, attends-moi 2 minutes, je vais chercher un verre d'eau dans la cuisine. Bon. Alors évidemment, si elle vous dit, mais il y a déjà un verre d'eau là sur la table de nuit, ben, il vous suffit de lui dire, écoute, ce verre d'eau ne me convient pas, je préfère aller chercher un autre verre d'eau. Et puis si elle insiste vraiment, qu'elle dit, mais je sais pas pourquoi tu vas chercher un autre verre d'eau, mais c'est qu'il y a déjà un qui est là. Et bien là, je crois qu'il faut jouer la franchise. Il faut lui dire, je ne veux pas aller chercher un verre d'eau, je veux aller péter dans la cuisine. OK? Et puis là, je crois qu'elle l'a mérité, là, quelque part. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire que je n'avais pas la grosse connerie de la fin. Un truc que je vous m'arrête, mesdames et messieurs, en sortant, petit service, si vous apercevez Roger, il faut absolument lui dire que ses photos, elles seront prêtes que demain. Ça, c'est important, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Yeah.